Ok Bonsoir bonsoir mmh. Ça a l'air de fonctionner là le son aussi 1, 2. OK. Euh, alors, je vais faire ça en attendant. pour afficher le, le visuel du jour bloc notes okay. un bloc note aïe, aïe aïe et je peux remettre l'écran Donc on va être sur un petit live, un petit live un peu spécial, on va faire du, une écriture de court métrage. Donc on va vous expliquer ça avec Justin. Check juste, il n'est pas encore dans le live. Je verrai, je pense s'il se connecte. Ouais, je pense que je le verrai. On va attendre un peu. Donc, ouais, le but, le but, tiens, ça je pourrais aussi l'afficher. C'est euh par rapport au festival du court métrage de Clermont-Ferrand, qui a lieu début d'année prochaine, on se dit avec Justin qu'on ferait bien un petit court métrage justement pendant cette période-là, 27 janvier, 4 février. Qu'est-ce que je peux afficher En d'emploi, aperçu. Si je fais aperçu, voilà, ouais, c'est pas... Programmation. Il a pas l'affiche ou un truc Ah à l'honneur Taïwan L'affiche du festival C'est ça, bah voilà euh... voilà Donc en fait, c'est un festival de courts métrages, donc assez stylé, où tu vas voir en fait des courts métrages en, en salle, des séances où tu as dedans 4-5 courts métrages. En gros. Et il euh, y a un jury, il enfin, y a tout ça, machin. Ça se déroule sur une semaine, une petite semaine, je crois. Donc euh, pour préparer ce truc-là, on va faire divers live avec Justin. Pour un peu euh, parler de la programmation, parler de trucs comme ça et tout. Et euh, là, on a décidé de commencer en, en faisant un petit peu un exercice d'écriture. j'aimerais aimerait bien, pendant cette semaine-là, souvent ça nous chauffe de tourner des trucs. Donc on aimerait bien se faire un petit court-métrage. Le but, c'est d'arriver en début de festival avec, en gros, euh, la préparation de fête, histoire un peu le découpage. Bah, ça, c'est top. Et pouvoir ressortir du festival avec un, un truc fini, monté, etc. Tourner, monté, quoi. Voilà. Voilà tout. Ça va être super chouette. Bon on, on va un peu partir n'importe où mais... mais ça va être l'exercice Et euh, j'ai hâte de remettre à tourner des trucs ça va être rigolo Alors il en est où On va l'attendre un peu. Je vais repasser sur la. On passe sur ça en attendant. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui se manifeste. Je vais aussi faire les annonces sur les réseaux. Je vais faire tout ça. Tranquillement, là on va attendre qu'il y ait un peu de monde. va bien d'avoir 4-5 personnes. Pour Un peu euh, brainstormer en fait sur l'histoire parce que, bien sûr, on veut, ouais, si on écrit histoire à deux, on l'écrira à deux, hein, pas de problème. Hein, mais j'aimerais bien l'écrire avec le chat. Ça, ce serait stylé. On a réfléchi déjà qu'il faudrait qu'on trouve des contraintes, trois contraintes pour un peu guider euh, le truc. Alors, j'ai pas réfléchi de mon côté, peut-être qu'il a réfléchi de son côté, je sais pas. Et, euh, et au pire, on trouvera des contraintes, on trouvera bien des contraintes sur d'autres. Euh, d'autres concours de court métrage ce genre de truc euh, où en gros tu donnes, euh, donnes aux au, au candidats euh, trois contraintes le but c'est que euh, ils répondent aux contraintes bien sûr donc les contraintes sont incluses dans le court métrage ça peut être je ne sais pas le nom d'un personnage ça peut être de dire qu'il y a une scène de nuit euh, ça peut être de dire euh, qu'il faut qu'il y ait certaines phrases qui soient dites ce genre de choses et en fait c'est pas mal ce, ce genre de truc parce qu'en général euh, ça te donne des idées en fait. Tu vas, tu vas trouver une histoire autour de la contrainte, tu vas, parce que tu es obligé de l'inclure, et donc ça te permet de broder des histoires et de faire tout un tas de trucs, et en général ça débloque pas mal les idées, donc ça c'est pas mal intéressant. Euh, donc on verra un peu ce qu'on prend, je pense qu'il faut prendre des trucs Ozef un peu. Et pas s'inventer les meilleures contraintes et puis prendre des trucs un peu, je te dis. Je, je pense, scène de nuit, tu vois, les trucs à la con. Si c'est sur un perso. Et, mais bien sûr, c'est des contraintes. Le tout, c'est que ce soit un peu réalisable avec de, des moyens d'amateur. Mais pas en contrainte que tu dois faire à des putains de scènes de, de combat entre des dragons, ça c'est clair. Après, euh, pourquoi pas. On va du dessin euh, sur papier euh, animé à la zeub <laughs> je crois qu'on avait voulu faire ça une année on s'était pas dit euh, qu'on ferait une parenthèse sur du petit dessin animé de papier ah c'était vraiment de la merde on les idées de merde donc voilà c'est un peu le but ah alors les mes voilà. J'arrive Ok On va l'enjoindre C'est peut-être lui, c'était peut toi dans le chat non Je sais pas Il y a peut-être déjà quelqu'un dans le chat Ça se trouve c'est toi ce qui répond de toute façon il est pas encore l'heure donc on a le time de voir comment ça se passe Oup, op, pip, op, op. Euh... bon il a l'air d'avoir vu le message Je suppose qu'il a capté. Yo Yo Je suis déjà en live, je sais pas si t'as vu. Euh non non j'ai pas vu, je suis en train de me connecter. Et enfin bah, j'ai vu ton je... message quoi. Oui voilà. Non mais c'était pour dire de. <laughs> On est sur écoute quoi. Sur live, en live et sur écoute. Ouais. Comment ça ah. va Oh bah écoute, ça va, ça va. Tranquille ouais, Tranquille, tranquille. Il fait quel temps par chez vous là Froid. Mais ça, il faisait pas mal. Il faisait pas une neige pas Non. Non, il y en a un peu sur les montagnes. Okay. Un ah. peu de neige, un peu nous ce week-end. Mais okay. au calme, au calme. Qu'est-ce qui se passe Mais en fait, j'avais pas coupé le son de mon PC. Du coup, comme je regarde le live, voilà. Ah, ça, tu t'es ah, fait à un la scène. Elle pas mis ma cam non plus. Tu la mettre Oh bah oui, hein, je... je suis voilà. content de l'avoir laissé un peu comme ça. Un peu de Vladimir Poutine, c'est toujours bien. <laughs> Pop, pop. Et alors hop, je pense que je suis sur la bonne fenêtre. Je vais voir pour te mettre en ligne. C'est toujours un peu euh, hop. Faut pas faire de la merde. Je fais ça là. Ça la coupe direct, je pense. Oui, c'est la coupe direct parce que je passe pas de scène. Ok, 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 ok. C'est bon, on ta cam. encore en train de régler mon cadre impec, de façon, bon bah je professionnel. devoir euh, régler ton cadre mais tranquille Hop. tranquille nickel c'est pas mal comme ça toujours cette petite vue en, en contre-plongée pour, pour okay. signifier ta supériorité quoi, tranquille hein. faut qu'on comprenne Et mon statut le langage cinématographique Je sais non, pas sur Facebook euh... si les gens voient des. Euh, les gens ils voient que les publications, ils voient pas les commentaires en dessous. Pas moi. Quoi Ça dépend qui j'imagine, ça se paramètre. Non, je, je, je vais peut-être refaire une publi pour dire qu'on est en live et j'hésitais à faire un commentaire sous l'annonce, mais. Je vais juste mettre un lien. Euh, je l'ai ben pas. Euh... Hop. Alors, petit saut Facebook. On va dire pile à l'heure. Euh, Twitch. En plus, Squeezie, live pas ce soir, il a une indigestion. Donc, on va ramener masse de. De téléspectateurs ah bah ouais. là. Ah mais euh, quelle bonne nouvelle <laughs> euh... Après bon il y a quand même Antoine Daniel. Euh... Oui <laughs> quand même 19k. Et, et, oui, et surtout qu'ils sont, en... sont en découverte de nouvelles maps de Mario Kart. Alors ça va être vraiment une... Regarde du monde je pense. Mm. Euh, on est en live euh, ce soir. On écrit. Pour métrage, venez participer. Pitié. Venez, <laughs> s'il vous plaît. C'est très dur de dicter un truc et d'écrire autre chose. Euh... J'avoue, méga difficile. Assez dur, oui. Court métrage, il euh, y a un trait d'union. Hein. Eh oui. prendre... Et... bon, voilà. C'est bien parce que quand on fera le, qu on met le making of du court métrage, on pourra mettre euh, des scènes euh, du live. Ah bah <laughs> on oui. On est bon, là tous les deux dit... à se demander euh, qui va venir, s'il va y avoir quelqu'un. J'ai essayé de regarder pour du. Après, ce sera peut-être plus facile pour l'histoire du court-métrage. Et puis, en vrai, quand tu, prends, quand tu regardes euh, les, les notes, ce qu'on fait sur les bouquins, ça, ça, je... à mon avis, ça ne parle pas à grand monde. Mais bon, bref, j'aime bien le faire. J'ai essayé de regarder pour un peu de... rejoindre des groupes et des trucs. Et il des... n'y a pas grand-chose, en fait. Donc, au final, je me suis dit que j'allais faire un homme sandwich avec mon adresse Twitch pour me balader au festival du court-métrage. Je pense, random. Tu, tu intéresses des gens. Ouais, bah ouais, hein. si on fait des sujets qui parlent de cinéma et tout, euh, sans doute. Hein. Oui. Et puis, euh, bon, si on se balade au festival du court-métrage, euh, on va y croiser des gens, ce sera peut-être euh, l'occasion de leur en parler. C'était si là. Bah ouais. De ouf. Euh... Alors attends, je vérifie que je fasse pas de la merde. Fermer tout ça, ok. Peut-être les livres Hop. et tout, euh, déjà que c'est pas un sujet euh, qui intéresse beaucoup de monde, on va trouver un moyen de rendre ça euh, plus intéressant, plus interactif et tout. Ah, moi, à pas ouvrir une librairie, euh, pas trop. <laughs> bah je sais pas euh, que euh, genre peut-être en mode radio libre tu vois Ou les gens non ils mais c'est vrai bouquin aussi ça c'est vrai et d'ailleurs j'ai pas du tout regardé euh, les euh, comment ça s'appelle faut que je regarde le discord pour faire le discord ouais parce qu'effectivement euh, et d'ailleurs je pense que c'est même pas sur mes sur mes réseaux sociaux sur mon linktree faut que je regarde ça mettre en place un discord un peu avec des channels pour pouvoir facilement euh, spammer le lien dans le chat, inviter des gens. Bon, après, c'est toujours un peu délicat, mais bon. Yeah. Moyen, je pense qu'il y a moyen. Bah, de toute façon, ça sera à force. Oui. Ah, bon, est-ce que tu as réfléchi à des trucs Alors, j'ai briefé un peu, bon, je la, je la refais, euh, avant que tu arrives, j'ai un peu euh, parlé déjà de du truc. Mais en gros, comme il y a le festival, alors je peux rafficher l'image, euh, qui commence, donc Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui commence le 27 janvier, 4 février, et que nous, ça nous hype un peu toujours pour faire des courts-métrages, ce, ce truc-là. Euh, en gros, cool, basically. l'affiche euh, cette année. L'affiche est vraiment stylée. Et ah, je crois qu'ils ont ouais, un making-of ouais, sur le site pour voir comment l'affiche a été faite, mais bon, voilà. Donc en fait, c'est tu vas voir des courts-métrages en salle, tu fais des, des sessions de 4-5 courts-métrages, voilà. tu as différentes thématiques. Voilà. Et nous, ça nous hype pas mal souvent et ça nous motive un peu à faire des courts-métrages. Et donc là, on s'est dit que le top, ce serait qu'on entame cette semaine du 27 janvier, en ayant écrit un truc et préparé découper un peu un, un truc le but étant de, de terminer la, la semaine je pense que ça dure un peu plus d'une semaine un peu je sais plus je sais plus c'est un peu une, une semaine, semaine. Hein, semaine. c'est du samedi au samedi plus le dimanche ouais le dimanche voilà dimanche qui est euh, un peu spécial ça dure une semaine général. donc le but c'est de ressortir de cette semaine là avec le court métrage tourné et euh, monté pour avoir un truc fini euh, je pense fini à 80 euh, 18% quoi. Ça c'est top. Parce que en vrai, sinon derrière, tu. Si c'est que du tournage par exemple, c'est très compliqué après de s'y remettre dessus ou de faire des trucs. Moi j'aime bien avoir un truc fini et tout. Ça m'avait bien plu l'histoire des 48 heures, là, les concours 48 heures pour faire un court métrage. Donc euh, c'est donc un peu ça le truc. J'avoue. Euh, ou au pire, euh, tu finis le montage en live, mais je sais pas si ça tourne. Euh, complexe. Complexe. Ils ont mis le G de Gully. Dans l'affiche. Dans la fiche Il y ah a ouais. un, G, un G bizarre. J'avoue. <laughs> J'avoue. Elle ah, est grave belle, l'affiche. Je sais pas s'il y a des refs. Euh... C'est rien, j'ai aucune ref, moi. Hein. Non, mais je veux dire, euh, ouais. Il n'y a pas bah, de rêves des pense. fois au volcan ou aux montagnes. Ah Il y a bah, un peu des montagnes. Ouais, si, je pense. Peut-être le puits de dôme. Ah, tiens, ça, ouais, ça, ça c'est peut-être le train. C'est peut-être le tramé pour aller au, au puits de dôme. Le ouais, truc rouge pense dedans, Le puits de dôme et euh, les jambes du mec, ça symbolise l'antenne ou un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais. Mais est... elle est vraiment chouette. Mais ouais, ouais, elle a l'air d'y avoir le train, ouais. Ouais. Assez stylé. Assez stylé. Bon. Euh... Donc ouais. Est-ce que toi, alors moi, ce que j'ai expliqué vite fait aussi avant que tu arrives, c'est que du coup, euh... on irait bien se mettre des contraintes, parce que moi, je trouve que ça aide pour l'écriture de euh... de ouais. scaler un peu des trucs. Des fois, ça donne des idées. Et puis, euh, et puis, voir un peu ce qu'on fait et, et dans quoi on ah ouais, part. Est-ce que toi, tu as réfléchi à des trucs déjà Pas du tout. Ou l'impro Moi non plus. Hein. Je réfléchis maté. à rien du tout. Euh, je fais un milliard de trucs en ce moment, c'est la cata. Bon, après, là, on a le temps et on est tranquille, tu vois. Moi, je me fais oui, pas de Oui, donc, euh, ah, bah, c'est euh, branlette. Et Noël, euh, et Noël et oui, tout, hein. mais je veux dire, euh, euh, on pourrait très bien aussi avoir l'idée euh, euh, J-1 et, et, euh, et à faire quoi. J'avoue, c'est vrai. On fait ça. et ben, cool, hein. Bah, à dans <laughs> un mois et demi. Euh. Par contre... Euh, Ouais, je, je sais pas si ça ça peut être intéressant qu'on fasse des lives pour regarder la programmation aussi du festival. Tu Intéresses crois que les gens la programmation Pense un peu, bah je sais pas trop, j'hésitais. En fait, faudrait plutôt, pas, je... faudrait débriefer sur des des courts métrages, ça se serait stylé par contre. Après coup, ça serait stylé. Ouais, ouais, ça pourquoi pas Ça c'est plus intéressant, ouais. Et euh, ouais. Ouais ouais, ça peut être stylé. En plus c'est bien, j'ai déjà fait ma liste de thèmes. Du coup, je sais déjà ce que je vais dire des courts métrages que je vais voir, même si je sais pas ce que ça va être. C'est quoi ta liste de thèmes alors T'as sélectionné les bien, thèmes, Tu avais envoyé. Ah. Tu avais envoyé. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je vais dire. Euh, les courts-métrages labo chiants, donc ça va être très simple, tu vois. On va en voir, donc euh, on <coughs> pourra dire n'allez pas voir cette séance labo. <laughs> c'est ouais, la pire. Je... Ouais, c'est à dire qu'il faudrait vraiment réacte le jour même. Après, ça peut être stylé. Hein. Ouais, ouais. Ça peut être un peu stylé. Mais, euh, mais ouais, bah, complexe. Ouais. Un peu faisable hein, à voir, peut-être pas le jour même, mais un point dans la semaine. Ah, oui, ça, ça voilà, peut hein, être Sachant que ouais. moi je, je vais bosser, hein, donc je suis pas libre tous les jours du tout. Mais euh, mais voilà. Après, il y a combien de. Il y a, a 4-5 séances labo, non, en général Tu vas faire les labos Ouais, 5. Bah, J'aimerais bien faire au moins les labos, ouais. Ouais, c'est le minimum. Ouais, ouais, Après, surtout, euh, surtout si t'es là, on verra ce qu'on sait. Après, c'est vrai que si ça commence un samedi, déjà, il y a moyen de s'en faire. Euh... Mais un samedi. samedi, je crois que c'est que euh, C'est que l'ouverture. Bon. D'accord. Voilà. Je sais même pas c'est un quoi le 27. Euh... Ouais, je pense que c'est un samedi. C'est si un vendredi. Le vingt vendredi okay. C'est un vendredi. Et le 4 à un samedi Ouais. Donc ça se trouve le vendredi c'est bien effectivement l'ouverture genre dans la fin de midi Ouais ouais. Et puis après t'as euh... mais du coup ça veut dire que si elle est déjà samedi dimanche les deux déjà pas mal. Mmh. Tiens je vais aller retourner euh, des fois que enfin parce que là on va on va on va pas j'ai je... la flemme d'écrire là. Ouais. Mais je me dis, j'irais bien faire un tour vite fait sur l'année dernière, ce qu'on qu avait maté. Des fois, ça peut un, trouver de l'inspi tu sais. On, avait, on en avait vu l'année dernière euh, L'année d'avant L'année où c'était dématérialisé, là. C'était peut-être bien euh, bah 2020, alors. Je crois. Hein. Non. C'était 2021. 2021, ok. Parce que 2020, enfin, j'ai ouais, encore bougé dans le Nord. Ah, bah oui, mais du coup, oui, c'était bien l'année dernière. Euh, mais pas le dernier festival. C'est de cette année qu'on n'a rien vu. Oui. Oui, parce que ce sera 2023, effectivement. Oui. Mmh. Moi, j'ai regardé un, un peu des trucs chez la, la séance des enfants aussi des ah dessins ouais. animés stylés aussi ça je referais bien bon, en vrai si je fais labo euh... labo enfant ouais. puis un deux trucs internationaux c'est vrai c'est stylé avoir euh, selon les thèmes aussi euh, j'aime bien faire les rétrospectives thématiques des fois mais ça dépend ce que c'est ça dépend ce que c'est là quand je regarde les trucs j'ai rien qui me dit quoi c'est abusé Bon, après, c'est un cours que tu regardes quand tu regardes 20 autres dans la même journée. Je suis sûr que si je vais voir, il y en a que que je me souviens. Regardons. En fait, je m'en souviens d'un au moins. Bah, Homeless Home, il est stylé parce que voilà, c'est suite Va et Vasquez. Pas passé, ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'était stylé. Il était bien celui-là aussi. De toute façon, ils sont toujours bien. C'est marrant. Il y en a que j'ai pas vu. Pourtant, je suis quasiment sûr de les avoir tous mis. A tellement peu d'infos que push this button if you begin to panic j'ai l'impression j'aurais pas dire Oui, ce, ce là je m'en souviens. J'aurais pas dire ce, ce, ce que c'était quoi. Souviens, ouais. C'était un truc un peu spécial. Hein. Un peu spécial. De quoi je me souviens Il y avait le cas Vorman, mais je m'en souviens plus. C'est celui avec euh, Martin Freeman, tu sais. Il y un peu des gens connus, là. Et pareil, euh, c'était un interrogatoire ou un truc comme ça. C'était quoi la semaine euh, du court-métrage Tu l'as, toi C'est quelle semaine où tu les as ajoutés Eh bien, c'est là, là. Je suis ah, bah, je suis con, je regarde. Ah c'est en début février, le 6 février. J'ai des, des trucs le 6. Je ouais, peux remonter euh... assez, du coup, je m'étais vu euh, plein de courts métrages après. Des trucs là euh... Il y avait Sœur, c'était pas celui où c'est des filles qui découvrent un peu leur, euh, leur sexualité ou des trucs comme ça Ah, purée. Aussi. Je me rappelle euh, l'espace de K, moi, que j'ai vu. Je l'ai pas vu dans les trucs. Ou c'était un, un, euh, un truc asiatique, un peu sur le langage. Avec ah, si, attends, micros. si, si. La création et la destruction du monde, ah ouais, je me souviens plus du tout. Avec un truc un peu SF, euh, ça me plairait bien. Enfin, euh, SF, mais. Tu vois. Euh, C'est un truc un peu psychologique ou sur, un, sur une, une invention. Euh... Simple mais qui, qui remet un peu des trucs en question ça J'aimerais bien Pour le court métrage ouais Ça peut être une idée hein. ouais ouais Moi ça me va Ah ouais. matière noire je m'en rappelle de, de court métrage J'espère que je, je, Tu l'as peut-être pas vu Euh, on n'a pas forcément vu les mêmes. Matière noire, c'était sur un truc dans une usine en Russie. C'était hyper chiant. Hyper chiant. un truc, le pêcheur de perles, j'ai mis des coups de cœur. Matélégravitante. Pas du tout ce que c'est. Bien aimé. Ah bah c'est celui-là, c'est télégravitante celui de... Des filles qui découvrent leur, leur intimité. L'autre que je te disais tout à l'heure, c'était quoi L'Odyssée de Chou, mais il était trop mignon aussi. j'ai vraiment trop mignon en tout c'était dans les trucs enfin pas dans ma liste je pas dans ma liste moi si tu vois sur mon écran c'est dans les trucs enfin c'est une petite chouette et tout C'est cool un peu moi en plus je les ai jamais vus j'en je les ai jamais fait et en vrai ben j'aimerais bien pourquoi pas yes Bon, alors, t'en penses quoi Est-ce qu'on se chope des... des contraintes Eh ben pourquoi pas tu veux Alors, déjà, il faut donner un nom moment. au projet. Pas un nom au court-métrage, mais il faut donner un nom au truc. Ouais. Okay. <rire> le <rire> projet, pas... avec un grand L et un grand P. C'est le pro. <laughs> J'avais tout écrit en majuscule de base, mais bon. <laughs> Alors, euh, police. Police, police. Ça, c'est assez gros. Non, c'est pas... C'est un peu gros. De ouais, toute façon, ça va être très peu... Très peu lisible. Hein. J'abuse en vrai, il faut que j'abuse. Ok. Commencer là sur l'écran, bam bam. Ouais, allez. Moi déjà, sur PC je, grandir, alors que je suis en grand écran sur PC. Hein. Autant me dire que t'as pas intérêt à être sur téléphone. Tu le vois en petit là T'as pas de décalage Là, je grossis pas là. Euh, bah non, tu viens de finir de grossir. Moi, je vois comme si euh, c'était euh, du 11 peut-être. 10 ou du 11. C'est mieux là non Ah c'est un peu mieux ouais En vrai En vrai de toute façon oh, C'est bien bien, je peux bien là. comme ça bon, voilà. Un peu gros je trouve Ok Ouais mais c'est pour que ça se voit quoi Ouais ouais Après de toute façon quand on écrit au fur et à mesure ça va défiler Y'a pas de... C'est le projet. C'est un peu nul comme nom. <laughs> bah oui, mais bon, on va pas passer une heure et demie à réfléchir à un nom pour... Euh, même pas pour si le court-métrage, juste pour le projet de faire un court-métrage. Ouais, mais c'est comme ça. <laughs> ok. Alors. Euh, je vais mettre les contraintes. Je fais qu'on fait comment pour regarder les contraintes? Est-ce que ça t'intéresse qu'on aille fouiller dans un autre euh, concours de court métrage? Ben pourquoi pas, on peut commencer. Après, euh, moi ça me va euh, le thème euh, SF psychologique. Ouais, Et alors ça c'est une très thème, grosse hein. contrainte. Ah, c'est une grosse contrainte, mais bon, de toute façon on est tout seul. Donc euh, pour l'instant, hein, euh... ça s'écrit psychologique. Avec un S. C'était avec un Y, mais avec un S psychologique. Je oui. Ouais. <laughs> Je Dis pas que c'est les fautes en plus ce bâtard. Euh, SF psychologique, ouais, c'est pas. Enfin, c'est une. Mais un sage, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus qu'une contrainte, c'est vraiment le thème. c'est. Il y avait des contraintes de thème ah ouais avec deux thèmes au choix, j'ai déjà vu ça. Ah ouais Ok. Bon. Ouais. SF psychologique, euh, ok. Alors attends, si je vais sur... Euh, je masque mon écran vite fait. Allez. Et dans les idées de thèmes. Euh, dans les idées de contraintes il y avait. Euh, Je tape un mot hasard. Son nom, son... Un prénom de personnage, un métier de personnage. Tu vois, tu vas sur euh, euh, motaléatoire.php. <laughs> Ça te sort des mots du dictionnaire. Je peux mettre trois mots là, si par exemple. Ouf, pendre, tournevis et sain. <laughs> Let's go Un thème SF sur le thème oh. des abeilles Pendre, tournevis et sein Saint, S-A-I-N-T S -A -I -N -T, rassure moi Non, E-2-S-A-I-M E-2-S-A-I-M Et sein Franchement Un essaim de un robot Ouais mais là on rentre dans du ah. On rentre dans du difficilement filmable eh ben, on ne le monte jamais. Oh. Juste, on doit rester enfermé à l'intérieur parce c'est un essaim de nanorobots qui parcourt le monde et détruit tout le monde. Bah, on, on a un le pitch viennent hein. une... qui viennent raser notre ville. Voilà. <laughs> c y a... et on finit par se pendre. Comme ça c'est psychologique alors euh, c'est grave euh, grave bien hein. moi j'aime bien hein. euh, c'était quoi le troisième mot il y avait pendre tournevis et, sang, et tournevis okay. <laughs> non je peux pas dire ça, ça me fait penser à une rêve bah, T'as déjà entendu euh, Danny Eras parler de tournevis Pas du tout. Pourtant, euh, je regarde un il, peu. Il parle, euh, bah, ils le font moins dernièrement parce qu'ils ont beaucoup raconté l'anecdote, mais ils ont an un anecdote ah. sur un tournevis. Ok. Qui est utilisé dans un but euh, non de bricolage. Oui, bah. Euh, ouais. C'est un but un peu olé olé Ça se pourrait. Même si bon. Moi, ça m'excite pas trop, mais. Hier, étaient... c'était pas mal. lui. Alors, j'ai pas tout suivi hier. Mais ils réagissaient pas à encore pas... euh... Parce qu'il euh... y a une loi Il y a la loi sur le squat. Et a priori, ouais, ils ra... ils les vu deux, ils ont fait du squat, a priori. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, moi, au début où je commençais à les regarder, euh, ça se terminait. Ok. Ouais, ils ont commencé à live en squat. Et dans leur vidéo YouTube, il y avait le concept squat philo. Où c'était dans le squat où ils parlaient et où il y avait des invités, des concerts et tout. Yes. Ah. Donc c'était assez intéressant parce que du coup tu t'avais vraiment leur point de vue. Euh... Ah ouais, ouais. Voilà, Donc c'était bien. Pas tout suivi. Non, j'ai j'ai pas affiché mon écran. SF psychologique et Saint -pendre. Je suis vraiment hyper mal cadré à ça. Me soul... Bon, je prends 5 secondes. Pour essayer de faire un truc convenable. <laughs> T'inquiète. Hein. Hop, ça, on va jarter. Ça, on va prendre. On va refaire le modèle de la dernière fois. Voilà. Un peu cadré vers le bas. Nice. Nice. Yes. Yes, là, on est parfait. <laughs> voilà. C'est une technique de cadrage, c'est un setup qui est absolument exceptionnel. En mmh, fait, il y a bien. mon portefeuille ouvert en deux. Euh, ah, okay. calé sur mon ordi. <laughs> Et du coup, je cale dans la rainure de mon portefeuille et je l'incline plus ou moins euh, avec le deuxième bout de mon portefeuille. Ça fonctionne. C'est une technologie incroyable. Hein. Moi, je trouve que ton fond rend bien à l'écran, c'est ça aussi qui est bien. Bah, grave, je suis assez content. Je suis assez content. Tout ce qui me manquerait, ce qui me faudrait, si que je pouvais même faire un fond, que je faisais vraiment des vidéos et tout. Peut-être à un moment et tout, je rajouterais une étagère sur le mur et je foutrais des bouquins derrière. Oui, classique, mais oui. Ah, Ça viendrait habiller un peu le truc. Ouais bah ouais bah c'est classique, mais bon. Euh... Est... On n'est pas obligé d'avoir euh, l'idée la plus originale du non, monde. Non, c'est hein. classique dans. C'était pas dans le sens, c'est mainstream. T'es un bouffon. C'est dans le sens, c'est bien. Ça fonctionne bien dans le sens ça, quoi. Bon, bon, on a notre pitch. Je trouve que on a bien travaillé. C'est comme ça qu'on crée des choses, les enfants. Rajoute ton même. Une hein. idée à la con. Euh, un générateur de mots là. Enfin, c'est pas un générateur de mots, mais c'est <laughs> parce qu'il y a des générateurs de mots aussi qui sont qui sont très drôles. Je pense que ça s'écrit comme ça ouais. ouais. Ben, tourne et vis Voilà Parce que ça va pour tourner les vis Oui Non mais ça aurait pu être un mot composé Tu vois Ouais ouais C'est ah comme ouais. un ferme-porte C'est pas en un seul mot Quoique Non c'est en deux mots par exemple Et que c'est pour fermer des portes. T'as capté Je vois. Salut Mathilde. Comment tu vas ah. Je vois pas le chat moi. C'est Mathilde qui nous dit coucou les copains. Coucou. Ah, ça y est, j'ai rajouté. Bon bah voilà. Du coup nos contraintes, euh, pour résumer, euh, on a fait un générateur de mots. On est tombé Psst. sur essent pendre et tournevis. Nico voulait faire de la SF. Et du coup, on a abouti au résultat. Euh, on doit rester enfermé car il y a une attaque de nanorobots et on finit par se porter. Après, de toute façon, c'est ce qui se passe quand tu fais des films d'auteurs comme nous. C'est que forcément, tu as un peu la patte qui revient toujours, tu vois. Comme dans le court-métrage euh, Le chien majordome, en fait. Alors après. Euh, c'est pas y très joyeux, <laughs> c'est ça que ça veut dire. Il y a une alternative. T'as le chat Il y a du une coup. alternative. Ouais, ouais, j'avais le Réal. chat. J'ai toujours pas vu les Mitchell contre les machines. Il pendre, je... ça peut être plein de trucs, hein. L'alternative à l'essence de nanorobot, ouais, c'est que pendre, ça peut être plein de trucs. C'est un essaim de nanorobot a détruit notre euh, précédente ville. On a dû déménager, et du coup, on fait une pendaison de crémaillère. <laughs> le tour de vie, ça va être pas mal. Parce que pareil. Euh... Ça peut être plein de trucs, quoi. Ouais, et puis ça. Ça, bien, ça a un a outil, des... c'est une arme, c'est. Il y, y a quoi faire un plan absolument génial où on réfléchit à comment mettre en valeur le tournevis, j'aime bien. Bah, moi, je me, c est, c est, ça risque d'être le truc qui sera dans l'abus. Tu sais, c'était comme. Euh, pour moi, il y a un... J'avais même pas fait attention, je suis fatigué. Il y a un H à psychologique après le C. Ah ouais. A priori. <laughs> bien vu, bien vu, bien vu. Mais j'avais mis un H mais après le P à la place du S. J'avais un peu foiré. Oui, oui. C'est l'histoire des Mitchell contre les machines. Je ne connais pas. Oui tu peux non, corriger les, les fautes bah, ça me dit rien du tout moi. Ben enfermé c'est pas ER déjà. On finit, c'est pas I. Alors. Non, oui, putain. <laughs> C'est quoi ça, ça si C'est était... Et donc t'en vois d'autres ouais. Non. Bah alors. <laughs> T'as écrit une phrase et quatre mots. Et qu il y, y a déjà pas relu. trois erreurs. <laughs> Parole. Ok. Oh bah et cool. Du coup, Mathilde, tu as le droit de rajouter une contrainte bonus. <laughs> soit un personnage, soit un nouveau mot. Voilà. Tout ce que tu veux. Et ce sera intégré au court-métrage. Et tous ceux qui se signalent dans le chat maintenant ou plus tard auront ce droit. Ah, mais ça va être. Euh... Laisse tomber. Ça va être contrainte annexe, en fait. Les contraintes bonus, c'est entre parenthèses 50 euros. <laughs> <C 'est... rire> Vous mettrez... Je mets mon Iban. <rire> Iban. <rire> mais non, mais sinon, c'est pas collectif. faut qu'il y ait des contraintes. C'est pas grave s'il y a plein de contraintes. Mathilde, elle veut, faire... elle veut placer un acteur là. Ouais, et eh ben, écoute. Du coup, le thème du film, c'est est-ce qu'il sacrifie son enfant de 4 ans et demi avant de mourir Qu'est-ce qu'il qu en fait Comment il s'organise sur l'enfant de 4 ans et demi du coup, dinette. tu peux euh, tu peux dire la contrainte de Dinette, c'est euh, un personnage enfant. Un personnage jeune enfant de 4 ans et demi. OK. C'est pris en compte. C'est pris en compte. Euh, je vais mettre euh, solde à payer. Ça en retient. Simplement, euh, on en est par euh, contrainte. Mais c'est nickel. Si on se fait... On le fait se pendre, on lui explique pas. Non, on le fera, on peut-être pas, du coup. <laughs> non. Euh, je... je pense je que pendre, ça va que juste que être si pendre ses chaussettes meurt... pour qu'elles sèchent, tu vois, c'est tout. <laughs> si l'enfant meurt, il meurt hors champ. <rire> <rire> Terrible. Du ce coup, ce sera il un cascadeur, pouvoir, mais il... il pourra le voir que quand il aura 15 ans, tu vois, le court métrage. Hein. <laughs> ouais, c'est ça le problème. Sinon, bah, encore, pas il problème. Va faire des courts métrages tout le temps c'est facile ça va être facile à c'est pas mal là ça commence à... moi j'ai des trucs qui ouais. se mettent en place hein. sinon en truc méta truc méta tu le fais comme dans la vie est belle tu l'as vu la vie est belle non la vie est belle c'est euh... l'histoire de euh... C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un père et son fils qui sont enfermés dans un camp de nazis, en gros. D'accord. du coup, euh, le père il raconte à son fils une histoire en mode jeu de rôle, tu vois. Ah. Ok. Pour euh, qu'ils ne se rendent pas compte de l'horreur de ouais la ouais. situation. C'est ça, hein, Mathilde, si je me plante pas, j'ai bien horrible. résumé. Horrible. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc... C'est euh... psychologique, les essaims, c'est pas mal, ça te permet de, de, de dire, es... ça te permet de faire un huis clos et tout, euh, facile. Ouais. Euh, là pour ça te permet euh, de ne pas avoir eu... 36 000 acteurs. Avec des petits effets, je suis lui... sûr, tu peux faire des ombres, de dessins, enfin tu vois. Euh pour un peu que ce soit... Ouais, ah, mais qu'on bon. comprenne un truc ou avec des bons bruitages, ça peut être assez stylé. J'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça se termine. Euh, le gamin gagne, il y a les chars américains qui arrivent et qui les libèrent. Enfin, qui les libère qui libère le gamin. Le père, bon. Ça se passe moins bien. Ok. Il est très charmant. C'est un très beau film, mais c'est pas très la joie. Bah ouais, mais bon, c'est moi je trouve ça bien. C'est bien. Le ouais, truc beau, même si c'est oui, pas ouais, la non. joie. C'est enfin, très beau. <laughs> le le générateur moment, de Il nous et... a donné pendre quand même. Ouais, il y a plein de trucs drôles. Ouais, bah, je pense que c'est pas ce que je suis là. J'ai vraiment mis trois mots. Je te l'affiche. Comme ça, on l'a pour le rec. J'ai mis trois mots dans le dictionnaire complet. J'ai fait entrer. Boom <laughs> On a <laughs> eu la chance de tomber sur des trucs pas complètement abusés. Hein. Ouais, bah j'aurais refait entrer si c'était euh, effectivement. Je suis d'accord. Hein. Il y avait eu, je sais pas, sperme euh... Bien sûr, on aurait trouvé un moyen. On aurait changé de mot, peut-être. Et ça et tournevis, ouais. c'est classe. J'avoue que c'est. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, ça, non, ça crée des trucs, euh, moi, mais... je crée tous les jours. Hein. C'est une, une, mé... une méga idée, ça, le générateur de mots aléatoires. Hein. Oui. Franchement. <laughs> C'est le faire comme ça, c'est vraiment le meilleur truc. Mais bien sûr. J'adore comment cela touche déjà, mais j'adore moi. J'aime beaucoup. Bon bah voilà, on a écrit notre court-métrage, hein. c'est terminé. J'espère que ça vous a plu comme live. <laughs> <à l 'air. rire> en non, vrai on essaye de Tranquille on essaye, euh, on essaye de détailler un peu de quoi on parle maintenant Ouais Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as comme idée qu'est-ce que vous avez comme idée euh, On s'arrangera, Mathilde, t'inquiète. Alors. Euh... Au pire, tu t'arranges avec moi, euh, t'inquiète pas. Tu <laughs> envoies juste ta carte d'identité. <laughs> non, ça, <je> déconne. <laughs> Mais je te... si je te connaissais pas, en tout cas, euh, ça serait ça. Euh... Ouais, on peut mettre les, les quelques petits chapitres. Ouais, ou des idées en, bra en vrac en mode brainstorming. Oui, oui, j'avoue. Alors, brain. Storm. Ing. Je suis sûr que je l'ai mal écrit. Et Mathieu tu, tu es de brainstorming. Hein. Brainstorming Toi aussi, hein. Toi aussi, tu dis des idées. Brainstorming, ça s'écrit vraiment comme ça. Bon pas les steaks, en fait. Oui. Oui. Alors, brainstorming. Euh... Tempêter les cerveaux. Quoi Tempêtons les cerveaux. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Euh... Bah, moi, je vais mettre 8 clos. Mais ça, de toute façon, c'est naturellement. Hein. Naturellement, c'est ça. <laughs> euh... Marrant. Quoi Oui, ça s'écrit pas comme ça. Ah oui, H-U-I-S, pardon. C'est ça, hein Tu Tu sais pourquoi Non, pour les huit salopas. Ouais, ça me braine à chaque fois. J'y pense à chaque fois je pense que je m'habite Et Claude, moi je mettrais un T en plus. thé T Ça me fait bizarre comme ça, c'est marrant. Ça se peut. Bah c'est un S mais bon, Toute confiance en Mathilde est Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un J'aurais mis un T comme clôture Mais Peut-être pas hein. C'est vrai qu'on dit close Close ouais. mm. Ok Donc c'est un 8 clos C'est vrai que c'est plus facile Oui donc c'est pour ça C'est pas vraiment un brainstorming Mais c'est Histoire de caler des merdes par contre, je vais, je vais le mettre, ouais, je vais ouais. pas le mettre à la ligne. Euh... Réfléchissons. Moi, j'aimerais bien que... Bon, après, il faut voir. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une question d'amitié. Question d'amitié. Ok, ouais. on tape amitié. Un truc autour de l'amitié. Tu vois, genre le, de toute façon, le, le côté euh, euh, tu restes enfermé, euh, bah peut-être que ça peut mettre euh, ça peut causer des difficultés via de l'amitié la, ou pas, ou créer de l'amitié, j'en sais rien. J'ai dit non. Pardon Alors Attends, j'essaie de. Je pars dans trop de. Brainstorming, de hein Tu dans dans ce dans quoi tu pars Tu me le dis, hein. Enfin, sauf si c'est disable. Ouais. ouais. Euh... Qu'est-ce qu'ils font les nanorobots Est-ce qu'ils pourraient avoir un impact sur les choses à quel le point le la société, elle est détruite. des nanorobots, euh, le stade destruction de la saucisse C Parce que Les nanos tu vois si c'est ne pas sortir sinon tu meurs c'est pas un thème très intéressant non tu vois, hyper... non non faudrait que ce, ce serait bien qu'il y ait une raison de ne pas sortir que les nanorobots ils fassent un truc mais qui euh, soit pas si évidente à faire le choix tu vois genre des nanorobots qui te lavent le cerveau tu vois un truc comme ça oui le choix pas de sortir de le Ouais, et c'est là que peut-être il y a le truc psychologique. Il nous transforme en enfant. <laughs> c'est <c> marrant. <laughs> J'ajoute le brainstorming. <laughs> ah, c'est le but. Hein. Et je voulais mettre. Euh... Après le choix de sortir, je voulais mettre. Ah putain! Ouais dans mmh. le truc sur l'amitié, si, si les, si les nanorobots ne transforment en enfants, pourrait y avoir euh, deux potes dont l'un des amis est sorti et s'est transformé en enfant. A été transformé en enfant. Je vois ce que tu veux dire. Ça, ça, ça pose des questions sur l'amitié tu vois est-ce que ça survit à ça qu'est-ce que ça change etc je veux juste un petit mémo il, il est a nos en essain. ouais, c'est l'essaim qui nous a donné l'idée de nanorobo parce qu'on était dans la science-fiction, donc t'as euh... ça ouais, c'est un peu combiné comme ça. Les, quoi. Ins... les essaims de nanorobo, c'est euh... c'est vraiment euh... un des trucs de la science-fiction. les Oui. En fait, je pense essaim et science-fiction, je pense essaim de nanorobo, vraiment automatiquement. Bah moi, il y aurait pu avoir, le... tu sais, il y avait un épisode de Black Mirror sur les, les abeilles, non remplacer les... c'était enfin, des robots au final. Mais... Euh... Mais donc c'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser à abeilles avant. Après, on peut faire un truc cologochias euh, ou c'est juste euh, un truc post apô où toutes les abeilles sont mortes, mais c'est un peu nul, tu vois. Ouais. <laughs> non, faudra faudrait, 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 faudrait qu'il y ait des indices. Enfant. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, le faudrait qu'il y ait un côté deuxième visionnage, tu vois. Ou peut-être ça te permet ah. de comprendre des trucs secondaires, genre les, les nanorobots à quoi ils servent ou depuis quand ils sont là ou je sais pas des trucs de l'arrière-plan, je sais pas comment dire. Moi je vais le noter euh, euh, deuxième visionnage. Moi j'aimerais bien un truc, je suis très friand de ça. De euh, en, plus tu regardes un peu plus tu peut-être comprends des, des petits trucs, tu vois. Ouais un peu en mode les petites bêtes ça passe et... partout ça c'est une vraie angoisse. Hein. Ah ouais. Parce que s'ils sont vraiment en nano, ça peut être un note. des trucs du film hein, euh, ah bah tu de petite... Facile à réaliser en plus hein. <laughs> un nano robot juste à côté de moi genre. Euh. Me ah me et du coup pas. tu peux montrer que tu feutres sous la porte. Oui. Pour pas qu'il passe tu vois. Ah choper. Euh, ne plus ouvrir la fenêtre. Euh. Après, s'ils sont nano-nano et qu'ils peuvent passer à, à travers non, mais les le nom de verre. nano C'est le nom. Je pense qu'il faut quand même que. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quand même le côté essaim. Euh... Ouais, donc en fait, ils ne sont pas nano. Ils moi, sont je. De... Peut-être qu'il y a des versions nano, je sais pas. Mais moi, je trouve l'essaim, il euh... faut que ce soit un euh... truc un peu. Une euh... mouche. Quand même, qui fasse du bruit. Euh... Qui, euh, tu sais, il y a des ombres qui passeraient devant les fenêtres. Enfin, un peu des trucs, tu vois. Ouais, ouais. Et puis tu me laisses une après-midi sur After Effects, je ça. te le fais ça en plus. Hein, donc bon, euh, c'est pas non plus la pointe de, du FX. Donc c'est cool. Ok, bah si tu sais faire ça très bien. Ah, mais ça, ça fait ouais. peur. Bah, ouais, ouais. Mais effectivement, t'as raison. Le, le, le côté. Euh, L'excuse. En fait, faut euh, les, ro les, na les robots. Je vais mettre nano, mais on s'est compris. La ligne. Les nanorobots ne doivent pas être une excuse pour juste rester enfermé en fait. Ça rejoint un peu ce que tu disais euh, ouais. tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un truc, genre, effectivement, ils transforment les gens ou quoi. Et c'est pas juste, euh, ouais, c'est facile, et après, tu fais. Euh, tu, tu trouves une raison de merde d'être enfermé, faut il faut qu'il y ait un vrai truc, et il faut que ce soit pas évident d'être enfermé. Il faut qu'effectivement, il y ait un ça, vrai truc. tu sujet. vois, moi, c'est... Ce... Quand je disais en mode... Euh... Alors, pour... Pourquoi et quand un nanorobot transformerait les gens en enfants, c'est ça qui est compliqué, quand même. Oui, bon, après, là, c'est du brainstorming. Ça, hein. c'est compliqué. Ils Ils insormi. Insormi. Ah, ça, sinon, une autre possibilité de ce qu'ils font, c'est le plus pragmatique, c'est que c'est mis en place par une firme, j'imagine, une firme à la con, les nanorobots. Oui. Probablement. Et, euh, et, et, et du coup, ça pourrait être euh, en gros que euh, ça te lave le cerveau pour que tu sois un bon consommateur, un bon citoyen, je sais pas quoi. Tu Avec vois, un petit message un dirais... de un peu en mode le meilleur des mondes, euh, où ça te lave le cerveau en mode... Sauf euh, même un peu en mode le meilleur des mondes. D'ailleurs, si tu dois vraiment te calfeutrer et tout, et que tu as vraiment fait ce choix, et qu'il y a un enfant, il y a la question de... Euh, de, il faut, il pourrait genre, ouvrir la fenêtre euh, sans s'en rendre compte, enfin par automatisme, tu vois, ouvrir la porte, ou je sais pas quoi. Je pense que tu calfeutrais suffisamment pour pas vois. que ce soit possible. Mais euh... il peut y avoir l'accident, euh, ouais, de, de, de laisser bon. les robots rentrer quoi. Ouais, voilà. En vrai, si ça arrivait, euh, ça serait toi qui jetterais l'enfant dehors tellement il serait relou enfermé. Ça peut être une des. Bah, de toute façon, ouais, ça va être on... le côté insupportable d'être euh, coincé en fait. Non, ben, moi je ne ferais pas ça parce que euh, le problème c'est que si tu ouvres la fenêtre pour euh, le jeter dehors, <laughs> ben, une nano robot il rentre. Donc je pense que euh, une des premières difficultés, ça va être la nourriture. C'est comme ça que je résolverai le problème de l'enfant. <laughs> 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 Terrible. Exactement. C'est clairement Putain, le choix maman. pragmatique. <laughs> Il n'y a, a pas une façon de euh, tuer euh, les animaux où il faut les pendre pour je sais pas quoi <laughs> euh, Ben... ben je crois bien que c'est ce qu'ils faisaient quand ils égorgeaient le cochon. Hein. Il est pendu oh. plus égorgé chaud. Non, non, La mais nuance. il est pendu par les pattes, en fait, pour que le sang coule. Ah enfin, ouais C'était comme ça que tu faisais les saigner. <laughs> Ah ouais, bah ouais. ouais bah voilà, Mathilde l'a dit pour les petits lapins trop mignons, donc euh, parfait. Par contre, je savais pas qu'ils arrachaient un oeil du coup. Hein. Ok. Ça bien Et pied. bah voilà. <laughs> j'ai l'impression que Pourquoi arracher un, un oeil, je sais pas, tu me proposes de me couper la gorge ou d'arracher un oeil, j'ai l'impression que quand même, arracher un oeil, je vais le sentir plus longtemps. Je hein. <laughs> sais pas. Oh bah, C'est un court-métrage où on pend un enfant par les pieds ou on lui arrache un oeil. <rire> <Nickel> <rire> C'est là, ça va pas bien, tu vois. On a l'impression que tu on a laissé le concept à une intelligence artificielle qui part direct <laughs> en couille. Genre, elle a sondé un peu Internet pour ça. voir les, 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 les mentalités, les la psycho des <laughs> gens, comment ils sont dans, dans quel mood ils sont, tu sais. Et ça te sort des pitchs horribles. <laughs> on avait parlé de. Une IA, euh, de faire un, tr un truc avec une IA, l'autre jour. Je sais plus pourquoi on en parlait. Je crois qu'on en parlait pour les courts-métrages, non Oui, on disait de faire une BD où tous les dessins... Ah voilà, c'était oui, c'était pour, pour une BD. Bon, le tournevis. Est-ce qu'on ne est qu se met pas sur le tournevis T'as des, des trucs Brainstorming tournevis wow, Osef, mais je donne juste une piste. Ça peut être brainstorming sur tout l'instant Moi, euh, j'aimerais bien que ce soit un fusil de Tchékov le tournevis. Ok. Mais je sais pas comment. Mais qu'il qu'il apparaisse euh, euh, tôt et qu'il qu soit utile euh, après ou, ou qu'il soit dans le décor euh, tout le long peut-être et utile à la fin. Enfin. Comme classiquement le fusil de Tchékov. L'enfant, il, il joue à taper euh, dans le calfreutrage dessous la porte avec le tournevis et il le perce. <laughs> voilà. C'est vous... l'idée que j'ai. Bah, je le note, hein, tu sais quoi Le tournevis. Perce. C'est dit à Perse J'ai pas l'impression E euh... ah, je... Non c'est un E après C'est ça la règle Après E et I c'est ça se prononce ce déjà Ouh ok après, tiens, E et un I C ça se prononce ce Ok Ouais, tournevis. Alors, oui. Euh... Tourne. Faut que je note mon idée, du coup. En fusil de. Euh... Est-ce que je me fais chier à chercher Tchekov ou je prends l'équivalent américain euh, T-C-H-E-K-O-V. -E hein. oh. -E T-C-H-E-K-H-O-V. Vous aviez, tout faux. Vous aviez tout faux, monsieur. S'en fout. C'est de la translittération du cirique, de toute façon. C'est le setup. Setup. Payoff. shake-off. Salutation. Salutation. Hurt, soixante-quinze. Ouais, mais ça se prononce pas Tchékov, ton truc. Tchekov, <laughs> 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 Ouais, ok, le tournevis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'en a pas tout sur le tournevis. Mais bon, ça va, ça va venir. Hein. Ouais, ouais. On n'a pas tout sur rien, mais il n'y a pas une idée qui me... Où je me dis, ah, le tournevis, c'est ça et c'est pas autre chose. Hum... Alors mince avec l'écran blanc on voit pas le truc merci euh... 2009 19677 pour le follow <laughs> merci beaucoup tu me diras si tu veux un surnom genre 7 ou 2 <rire> euh... <rire> parce que je regarde c'est même pas une date ça non c'est pas une date Hum, Qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas. C'est une date, mais dans le futur. C'est la date où se passe ah ouais le bon métrage. Euh, <laughs> ouais, mais alors attends, ce serait le 20 septembre 19677. Bon, ok, ok. Ça me va. Euh, la date de sortie, du coup. <laughs> Peut-être pas quand même. <laughs> euh, à la fin, on se rend compte que c'est pas une vis, mais un clou. Ouais, sauf que. sauf qu'en fait on parle du tournevis mais stylé <laughs> genre c'est comme si tu disais en fait c'était pas un tournevis c'était un marteau <laughs> après j'aime bien l'idée à un moment dans le trop on a trop besoin d'un marteau et dans la boîte à outils il y a plus qu'un tournevis <laughs> ah ça ça ça, ça c'est pas mal euh, on, on a besoin d'un marteau mais il a que a des a tournevis. Il tourne... y a que des tournevis et des clous, il a plus de vis. Il a plus de marteau. Et ce serait une du putain d'allégorie de... de la société. Et du coup, on prend l'enfant pour enfoncer le clou. <laughs> bon, je le note et parce que plutôt... c'est un brainstorming mon pote, mais Et tu <laughs> tarpe... as plutôt tape clou. <laughs> Faut qu'on décide de. Un marteau, c'est un tourne-clou. C'est. Presque. Non. <laughs> c'est un tape-clou. Mais <laughs> j'aime bien. Un, un tape-vis, par contre, ça, c'est un, un vrai truc. Ah ouais Ok. Ouais, en fait, le tape-vis. Euh... <laughs> T'as déjà mis des chevilles dans des murs, les petites chevilles plastiques, là dans lequel ouais, tu viens bah, mettre une ouais. vis. ouais ouais une fois que mes roumains sont morts à la cave je mets leurs chevilles dans mes murs non mais tu vois de quoi je parle forcément j'ai jamais fait ça mais je vois de quoi tu parles oui je crois qu'on en a mis chez toi pour ton tu sais à l'époque pour les le trucs pour les chats là oui oui oui. et ben, ce truc là ça, ça s'appelle un enfin le, le nom euh... familier c'est tapvis Ok. Étrange. Bah, tu viens tu viens okay. le mettre en tapant, puis après tu vises, donc. Euh... Étrange, euh... mais pas non euh... plus. Euh... Abusé. <laughs> On va dire. Oui, oui. <laughs> mais c'est pas pour taper. Marteau, c'est étrange, je sais pas, marteau, c'est un peu étrange. Il doit y avoir une étymologie, mais. Bref. Ouais, ouais. Euh, non, il ne le fait pas, ça pose problème après. Oui, ça pose problème, et bien ce sera DFX. Tu appelles ça une cheville Bien sûr, c'est le nom euh, commun, mais c'est je veux je, je parler du nom familier. Le tapvis, Le tapvis, c'est ton maçon de 50 ans qui dit que c'est... Va me chercher de la tapvis. Bref. Euh... Putain, j'ai toujours... J'ai une dyslexie sur « besoin ». Euh, pendre, 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 pendre. Je propose un mec relou qui vient faire un cours sur les outils. Ça c'est pas mal. Hein. C'est subtilement dit pour dire que je suis relou avec les outils, mais c'est stylé. Hein. Euh... Mais le mec il serait euh... il serait déjà il, sera... il serait déjà brainwashé par les robots. Prise de tête sur le maniement du tournevis, pas mal. Comment il clair. arrive le mec, euh, il faut pas ouvrir la porte. Il te fait le cours à travers la porte. Il fait le cours en distanciel. <laughs> euh, sur le maniement <laughs> C'est le gosse. Il va falloir co co coacher euh, le gosse longtemps hein, pour qu'il nous fasse un cours sur les outils. Non, on... en fait, on le doublerait. En fait, il ferait <laughs> juste des mouvements de lèvres. <rire> 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 <hose> C'est vrai. Ça se trouve, ce serait. Ce serait euh, tu lui trouverais peut-être un don. <laughs> un don horrible. <laughs> ce serait l'épiphanie. Il y a putain. Je veux expliquer comment ça marche des outils. Après, il n'y a pas de saut métier, mais. Ça serait très drôle. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Euh... Ouais alors pendre, t'as des idées Moi, euh, je pense que c'est euh, voilà. À part un personnage qui se pend, euh, voilà. Moi, c'est une mais bien Mais Alors, moi je voudrais. Alors, ah, tiens, moi c'est pas une idée. Enfin, c'est pas une idée, mais le gamin tient le tournevis comme un poignard et ensuite le robot le corrige pour qu'il démonte bien les vis, ouvrant la plaque d'aération qui leur permet de rentrer. Ok. Alors si je peux copier-coller ce truc-là direct, je peux, putain. Oh ah. bon, Je le laisse sur une seule ligne. Euh... Mais c'est pas mal. Le gamin fait rentrer les seins d'un robot grâce au son de et on le prend pour le punir. <laughs> Hardcore mais juste. C'est noté. Euh, moi ce que je voulais dire avant que j'oublie sur les sur <laughs> sur les, <laughs> sur les euh... la pendaison ouais je voulais dire que si il euh, y a vrai pendaison euh... Je veux que ce soit un truc qui soit jamais qui, qui ait jamais été vu au cinéma en fait. Voilà. -à -dire... Bah tu vois, je veux pas le truc genre euh, <laughs> tu vois que les pieds qui se balancent dans le vide, enfin le truc un peu. Tu vois, j'ai envie de voir un vrai nouveau truc. Je sais pas ce que c'est du coup, <laughs> mais c'est le but. Si c'est pas le gamin, on voit que la bite du mec en action. Ce serait terrible. Ah tiens, dans les contraintes, il faudrait que ce soit aussi euh, projetable sur Twitch, j'aimerais bien. Euh, si y avait eh, pendaison, faire un truc oh, original. Je, vais, je mets ça comme ça. Au départ, le mec est totalement hors champ. En fait, il faut le suggérer, mais d'une manière intelligente, tu vois, parce que la pendaison, elle est eh ouais. suggérée de plein de manières dans plein de films. Et moi, eh j'aimerais bah, bien ça, une autre la manière. Qui rentre dans le champ. Ouais, d'accord, mais... <laughs> Non, ça euh, bite de prépubère là. Non, mais laisse tomber. Et eh, on va se faire ban. Gros plan sur le visage. C'est le contraire du hors champ. Tu le vois pas le plandre. Et tu fais un gros plan sur le visage. Mais par contre, faut être bon pour jouer. Hein. Oui, bah là, de toute façon, on va se heurter très vite à ce genre de problème. <laughs> C'est que. C'est qu'on n'est pas des acteurs, donc de toute façon, les problèmes de jeu, ça va être très très drôle. Ouais, mais euh, tu vois, il y a des trucs où c'est acceptable. Alors que là, ça peut vite être ridicule. Bah, de toute façon, euh, qui accepterait de faire ce rôle Qui accepterait de faire ah. n'importe quel rôle bénévolement hein, Par moi. On pend vraiment c'est ça On pend pour de... Ah tu veux un pend pour de, de... Oui. Vous... Vous, me... Vous me décrochez hein Vous me décrochez au dernier moment. Non mais effectivement par contre il y aurait un. Ouais peut-être un contre-pied à prendre, enfin bon je laisse je laisse l'idée là. J'aimerais aime... un contre-pied sur l'histoire le... de la pendaison si on fait vraiment une vraie pendaison quoi. Et tu penses par exemple que ce serait une pondaison par étouffement Ou par craquage de nuque Peut-être que le son, peut-être. Euh... Ou peut-être en POV. Du point de vue du mec. Ah ouais. <laughs> Ou tu vois juste sa pièce descendre. Ouais. Et ça, un truc craquement. comme ça, tu vois. Ouais, tu vois juste sa pièce descendre et t'entends un craquement. Et il faudrait que le craquement il faudrait que le brétage soit bien fait pour que quand tu l'entends as l'impression que c'est dans ta nuque il faudrait que ce soit un truc ouais, c'est pas mal hein. un peu sourd à l'intérieur oui on est d'accord heure 75 il y a... on était sur l'hypothèse parce que c'est, ça nous est venu naturellement parce qu'on est des auteurs donc on a une patte si tu veux et la patte c'est que c'est très... souvent très glauque voilà. mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs et Justin a parlé de pendaison crémaillère tout à l'heure aussi ça pouvait être pas mal Honnêtement, je pense que euh, j'ai fini suicider dans la grande partie des trucs qu'on a fait. Hein. Oui. <laughs> bah écoute, j'en ai deux en tête. Alors, Régis, non, mais les deux autres, t'es soit par, bah es par médicament. Ouais. Les deux. Dans les deux. <laughs> J'adore. Suicide avec Régis, par contre, ça aurait été vraiment très drôle. Hein. Ah, que ce soit la chute. <laughs> ça été très drôle. En huis clos, deux amis, un enfant et Régis se retrouvent dans un monde en par les nanorobots. C'est un truc absolument invraisemblable. Faut juste aller revoler les Régis. Mais on se voulait. Hein. <laughs> T'imagines C'est vrai. Ouais, genre, 5 euh, <laughs> ans après, tu sais. Après, on peut peut-être s'acheter un autre propre Régis, mais ce, sera incroyable. Ah, Régis. Franchement, ce serait incroyable. Un serait. Franchement, il y a du potentiel pour faire un truc comique, hein, parce qu'on peut faire un truc comique avec un pitch horrible. Ah, alors ça, c'est une vraie, une vraie idée. Ah, vraiment? mode euh, un gamin régis et tout <laughs> Régis en mode cheval de Troie avec les seins dedans <laughs> C'est trop de la privée de joke mais Relon cybernétique. C'est quoi cybernétique C'est genre un synonyme de robotique Ou ça a des, des fonctions euh, ouais. particulières C'est quoi cybernétique non, euh... en vrai Si tu peux nous dire. Ah en vrai de vrai c'est vraiment. Je sais d'où vient le terme robot. Figurez-vous. Ah bah vas-y. Éclate-nous de ta. Asperge-nous de ta science. Hein. Robot, ça vient du tchèque robota, et qui veut, veut dire esclave. Oh, ok. Ben, cyborg, ok, mais cybernétique. C'est a priori une science. Je, je lis juste la définition. Une science cent centrée sur. Comment tu communiques entre des êtres vivants et des êtres artificiels Ok. adjectif qui va avec cyborg. Pareil cyborg, ça aussi c'est un truc particulier. Ah cyborg, euh, ouais, Mais ça ça je vois. C'est l'être humain un peu amélioré, non C'est l'homme-machine un peu. Ah oui oui voilà oui. Peu Ou ça, euh, des robots avec des composants organiques. Ouais. Oui oui effectivement. Mais ça dans la science-fiction il science y, euh, y a souvent les deux classes. Ben, par exemple dans euh dans Hyperion. Il y a les robots-robots et il y a les cyborgs. En gros. Oui, oui, organique, bien sûr. Organique, oui, oui. J'ai dit humain, mais effectivement, ça, c est, c est des, ça peut être des organismes. On zoome sur les seins jusqu'à voir un des frelons et dedans, on voit que c'est des gamins qui les pilotent. Je le vois bien kitsch, ce plan, mais alors euh, vraiment bien. <laughs> <laughs> ça peut être très drôle. Un petit montage là, détouré avec le cul. Ça si... ça, si on le fait dans une comédie, ça fait vraiment what the <laughs> fuck. Ouais, parce... En fait, en vrai, vaut mieux qu'on fasse un truc pas sérieux, ce sera beaucoup plus drôle. C'est ça qui marche dans Régis. Ce qui fait que Régis, c'est vraiment incroyable. C'est que comme on est nul, vaut mieux faire un truc pas bien, tu vois. C'est vrai qu'il y a le côté il faut pas trop se prendre premier degré. Mais euh, je ouais, pense ouais. qu'il peut y avoir le, vraiment le vrai fond horrible. Bah, moi je suis d'accord de fou. Truc comique. Pas sérieux. Mais effectivement, il euh, y a moi, moyen de partir en cru euh, en on fait. Fasse, ce truc de dessin et tout. Hein. Moi je, je, je Des seins de nanorobot, etc. Mais... Euh... Zoom sur... Et puis, vraiment, dans le... en mode absurde et tout, c'est là où on pourra avoir les idées les plus incroyables. Et ah oui, bah, ouais, mais là, ça, ça va être... Euh... C'est la fête du slip, quoi. Mais c'est bien, hein Bah ouais. Bah, c'est quand même plus satisfaisant, tu vois. Ouais, mais à réaliser, ça l'est moins. Je <laughs> sais pas. Je sais pas, justement. Parce, euh, tu sais, euh, faire un truc super sérieux et tout non. en mode euh, classique, moi je suis d'accord avec toi. d'accord toi, c'est bien plus dur parce qu'il faut des acteurs en fait. Voilà, c'est dur. Ouais, voilà. Alors que euh, un pour des comme dialogues, ça, il faut... faut un vrai truc. Mais... Ouais, en fait, pour qu'il y ait vraiment un truc en plus, faut vraiment que ce soit hyper bien. En une semaine, c'est chaud de faire un truc intéressant qui est comme ça, tu vois. Oui, mais je pense qu'il y a moyen de faire large un truc ultra comique ou qu'à des moments vraiment comiques un peu absurdes euh, et facilement réalisable, comme Régis. Hein. Ah, ouais, bah bah oui. c'était full troll quoi. C'est même ouais, pas ouais, réalisé. Ouais. C est, c est, Régis, c'est euh, ça, 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 ça a lieu une fois tous les milliards. C'est le court-métrage <laughs> en 45 minutes. <laughs> Voilà, c'est <laughs> plus les 48 heures, c'est 45 minutes, une seule ouais, prise. 48 minutes. Une seule prise. Tout euh... <laughs> dans le montage, quoi. Faites un cours avec aucun acteur dans le champ que Régis. En version 10 heures, <laughs> tu, tu mets 10 heures de ça. <laughs> Vous avez déjà fait le cours avec aucun acteur dans le champ et c'était très compliqué à saisir. Hein. <laughs> Faudrait que ce soit saisissable là. Je, je refais pas un truc incompréhensible. C'est Regis, il bouge pas devant la fenêtre et derrière la fenêtre, tu vois juste le monde se faire détruire par un incendie. Alors dans le refait de la fenêtre, ça, je le vois tout à fait ce plan. <laughs> les essaims, ils, les essaims, ils ont la forme de Regis. <laughs> C'est des boules vertes, toutes petites. Ça, ça ah, pourrait être trop faire de... Il a une forme de coronavirus, <laughs> le truc. C'est trop facile. Ouais, ouais, J'avoue. Euh, par contre, ah oui, Régis euh, qui regarde par la fenêtre le monde s'écouler. Alors, euh, vous avez déjà fait cours avec aucun dialogue dans le champ. Régis, c'est un cyberbuisson. Ouais, euh, c'est même plus que, que ça. Ah ouais, parce que. Mais il est surtout ou... en plastique. Euh, de toute évidence. Alors, ça, tu... 75, ça a le droit de rajouter une contrainte Tout le monde a le droit de rajouter une contrainte. J'avoue. je veux rajouter la contrainte Régis. Bah, de toute façon, je pense que. C'est vraiment une contrainte, tu vois. <laughs> D'ailleurs, euh, attends, ah, oui c'était l'enfant euh, pour Mathilde. Il remplace les vrais arbres, il n'y en a plus à cause du réchauffement climatique. Les arbres, ils ont la <laughs> cette forme de merde là. Une <laughs> forêt avec des régis géants. <laughs> Je note parce qu'on est en brainstorming, non. Hein. Euh, alors attends, je vais masquer mon écran, je vais donner un peu de contexte. Pour ça, il faut que je masque l'écran et que j'aille faire un screenshot du court-métrage avec Régis parce que sinon il n'y a aucun contexte. Euh, euh, C'était dans projet voilà. Régis, putain. Tu peux pas <laughs> Alors, hum... c'était le suspense. Jusque là, on a parlé de Régis, c'était mystérieux pour tous ceux qui ne connaissent pas notre travail extraordinaire. Et bientôt, vous allez voir qui est Régis. Ah putain Que je fasse le, 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 la capture d'écran parfaite. Essaye d'en trouver une où il a une expression marrante. Toi, t'as l'expression marrante, sinon. Ah non, mais c'est abusé. Hein. C'est vraiment la meilleure privée de joke du monde. Hein. J'ai passé ma vie. Ça allait bien. Vas-y. Alors, on va screener ça. Euh, nouvelle capture, oui. Si je copie ça là. Je s'afficher la capture aux F Ouais, ce plus simple. Je vais fermer le court-métrage, je ferme mes documents, parce qu'on ne va pas trop fuiter. Bim! s'il faut traîner Régis derrière une voiture, je peux aider. <laughs> euh... Tu es fou, quoi! Je... Tu vas y avoir les nanorobots, hein J'ai une idée qui est magnifique. Donc Régis, c'est la boule verte. Hein. Comme ça, on a le contexte. C'est. C'est Régis qui a le tournevis. Le tournevis, c'est genre euh, planter le manche dans Régis. Ok, ok, ok. Parce que, si tu veux utiliser le tournevis en fusil de Chekhov, si s'il est sur Régis, c'est incroyable. Tout le monde va se dire pourquoi cette boule verte T'as un tournevis. tu vois. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un peu, effectivement, dans le sens. Euh... Il faudrait que tu le vois avec le tournevis et que tu comprends et que tu t'en foutes un peu. Et que plus tard, il y ait absolument besoin du tournevis. Ouais, mais le, ça, coup, régis. Le, le, le spectateur le saurait ça, problème. Les personnages le savent pas, mais les spectateurs c'est c'est moins bien. Mais ça peut être un hein, truc. Ouais, genre. Non, non on faut a... vraiment qu'il y, y ait besoin du tournevis, mais d'une manière un peu épique où tu le sais où, tu, où ça te semble logique qu'au dernier moment qu'ils <laughs> font un tournevis quoi. C'est un truc comme ça que je voudrais Ou alors. En, en... En mode, il y a un problème super grave, on ne dit pas euh, comment le résoudre. Et le mec, qui, il est là et il dit Purée, j'ai une idée, je sais comment on va s'en sortir. Et tu dis juste C'est Régis qui va nous sortir de la merde. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait, qu ait besoin en fait, au de Ça, ce serait grave épique. Sauver le mec pendu ça n'a aucun sens. <rire> <rire> dit, sauve le mec pendu. Là, a... Des gros, des gros slash de tournevis. On trouvera une utilité. Hein. C'est pour ça qu'il y aura, il y aura. Euh... C'est-à-dire que dans les prochains lives, on, on trouvera un peu l'utilité. Mais là, on est vraiment en mode fou, brainstorm. On s'en bat les couilles. Allons chercher Régis. Ouais, franchement, là... Franchement, Régis, le retour, ça me, ça me hype un peu. Hein. Franchement, que je considère retour. que c'est mon meilleur court-métrage. Ah, grave. Hein. <laughs> C'était comme Il est le retour du chien un peu droit d'auteur problématique, mais... On a bien fait le retour du chien majordome, on a fait tout un 48 heures sur ça, maintenant on peut faire le retour de Régis, hein, franchement. Oui. Ouf. C'est vrai, mais on, on, on peut s'acheter un Régis, ça coûte genre... Je pense qu'on va s'acheter un Régis du coup, parce que sinon on va vraiment aller en prison, en fait, euh, pour des histoires de récidive, à mon avis. <rire> <rire> si ils viennent te rechercher. C'était vous il y a 5 ans là Qui avait volé un Ou truc alors... et qu'il avait remis le lendemain C'était fou Scène d'intro N'empêche meilleur qu'on métrage ouais, Mais ça, ça ça peut être un truc énorme On achète oh un régis Et on le plante vraiment dans les trucs du bourreau Et on fait une scène d'intro du court métrage On le Donc, revole Vite Les saints de nanorobots arrivent il faut aller sauver, il faut aller chercher Régis. Moi, je pense qu'il y aura des, des flashbacks. <laughs> est est. J'ai déjà envie de faire des flashbacks avec le, le, pour faire des refs à l'autre court métrage là. <laughs> Le problème c'est que le court métrage les sons ils sont, ils sont sous droit d'auteur là je peux pas le mettre sur youtube ça casse les balles euh... faut, faut que Régis meure à la fin encore Régis il meurt toujours à la fin Allez, Il mourrait pas le premier Bah si y a un concert Petit ange parti trop tôt et tout ah oui c'est vrai qu'on dit qu'il a un cancer oui c'est vrai dans ma tête c'est juste qu'on va le reposer mais oui oui c'est vrai un cancer ouais, ouais. peut-être faudrait retravailler la musique en vrai bah la musique le problème c'est qu'elle faisait tout le court métrage mais bon donc avec la voix off de Snake là Et, euh... J'avoue hein, on demande à qui... on demande à Anthony de nous faire la musique hein. Et puis je refais le doublage par-dessus de Why we still are here just to suffer. S'amuser en vrai. Mais bon. Ça pas un peu trop <laughs> j'aime hein. bien l'idée euh, de oui. 75 euh, de euh, on en prend un et en fait c'est pas régis au magasin. Il faut aller chercher le régis. Il <laughs> fouille la musique. Hein. Il la musique. C'est c'est de moins en moins faisable. Il y avait des bails ah. avant, mais maintenant les robots, ils... c'est encore ces satanés robots, ils détectent. Bon, je pense qu'on a séparé le régis, non <laughs> Le truc est venu s'incruster là. Personne n'aura la ref. <laughs> c'est terrible. Ouais, c'est un sujet intéressant quand t'as la ref. C'est problème. C'est problématique. Ah, ils ont qu'à avoir la ref. Ils ont <laughs> qu'à avoir la ref aussi. S'ils n'ont aucune. Marc, qu grâce à ça, ça ils ont la ref. Mais. D'accord. Mais... Bon. cest dire que voilà, il aurait mais... fallu que le court-métrage soit diffusable déjà. Ouais, regarde, eu la... euh, là la où. Ref. On a un chat choisi aléatoirement sur internet. Et oui. Euh, oui. C'est que des gens qui connaissent Régis, Ouais. Hein. T'as raison. Les... Tu viens de me prouver par A plus B que bah, <laughs> tout le monde a la ref du coup, quoi. <laughs> bah ouais, 100% du chat a la ref. Oui. Hein. Les autres, vous avez qu'à participer. Hein. <laughs> ouais, je suis d'accord. Heure 75. Les meilleurs gags, c'est ceux que tu comprends de deux façons, en ayant la ref et en y allant pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. <laughs> et c'est pour ça que je pense qu'il y en a plein qui vont pas comprendre. <laughs> Parce que ils auront pas la ref et le gars qui sera nul. Mais il faut en faire un gag bien. c'est ce qu'on est en train de faire quoi. C'est euh, que ce pour, soit un gag bien. Euh, Ah putain. Tu peux pas euh, bidouiller un troisième encart euh, comme euh, comme nos têtes de l'autre côté où il y a régis Ah euh, pff, si si tu veux euh, Comme ça les gens ils ont la ref et c'est tout Oui euh, Alors Donne moi une petite seconde Ah c'est vraiment euh... Sinon tu <laughs> le fais pour le prochain live Ouais hein, je l'aurais pu le faire sûr. mais Si on parle de Régis t'as raison il faut que les gens aient leur ref. Et du oui. coup, euh, faut faire un encart comme nous avec Régis. Moi, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Je ça, le mettrai ouais. sur la caméra 2 parce que j'ai un deuxième slot de fait. Mais euh, bah, par exemple, là, c'était à dire que là, pour le faire à l'arrache, euh, si je vais sur la cam 2, euh, juste que ça je dis que ça capture euh, l'outil capture, voilà. Mais non, mais du coup ça te change toi aussi. Ouais donc euh, non. pis. Ça ne peut pas être fait. Mais ouais, t'as raison, pour la prochaine fois, je, le, je mets la ref. En bon, attendant, je peux la rafficher. Alors, est-ce que je nous fais une petite relecture des bails Donc Le nom du projet C'est le projet Je vous laisse un peu assimiler euh, Les contraintes Maintenant Oui Maintenant on peut appeler C'est le projet Le futur de Régis Le futur de Régis Mais C'est encore pire <laughs> La ref dans le titre <laughs> Non, il y a Comment on ne pas ça toucher de les fiction. gens <laughs> Alors Par les contre, fidéliser. tu peux mettre faut... titre, on peut pondre un titre, malgré tout. Je suis d'accord. Mais non, mais moi je trouve que mettre Régis c'est bien, ça fidélise les gens, c'est un gag. Pour l'instant, c'est une privée joke, mais ça peut être une privée joke partagée avec le chat. Si un personnage récurrent qui est Régis dans les courts-métrages, ça, ça fait un live exceptionnel, tu vois. C'est vrai. Et, et, et ce sera intéressant quand les écoles de ciné analyseront le truc, je suis d'accord. Ah ouais. euh... Après, on fait un fit, un, un dernier court métrage, où euh, c'est le crossover de euh, Régis et du chien-majordome, il faut juste se racheter un chien-majordome. <laughs> ah oui, feat. attends, c'est tu, tu pu... il s'était cassé, c'est ça, pour de vrai, non il était cassé et puis même j'ai perdu dans un déménagement. Ok. Nous on n'avait pas cassé pour le court-métrage, on est d'accord, c'était fake. Ah, il était pas encore cassé ouais je crois. Non on l'avait pas cassé. C'était le chat qui l'avait cassé. Ici autoréalisatrice. Hein. Gagné. Il devait être cassé quoi. Euh... Ouais... À... Après la, la trilogie Cornetto, c'est quand même fait par un petit réalisateur. Donc je nous vois, vu notre envergure, on est plus euh, comme Marvel quoi. Je pense euh, qu'on va directement faire un concurrent logique au MCU. À MCU, on a déjà un peu un Hulk nul, juste il est vert, plein <laughs> ouais, de ben radioactivité <laughs> aussi. Hulk Touron. Ouais. Euh, alors, que, tiens, proposez-nous un titre. Réjulk. Rejulk. On dirait un espèce de, de film muet russe, où c'est que de la musique et un peu comme Koenichi Katsi, là. Réjulk. Espèce de truc un peu hard. Ultra niche. T'as une idée de titre Ouais, j'ai une idée de titre. Vas-y, le titre. Pendre <laughs> un dessin avec un tournevis. <laughs> Pendre. En fait, je, je suis d'accord. Faudrait qu'il se soit un truc un peu comme ça. Moi j'aime bien. Mais Moi, euh, pas, avec... avec un tournevis, avec un côté euh, un peu plus genre qui veut dire quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Genre euh... où le court métrage t'apporterait une vraie réponse. Mais avec les mots et ça, tournevis pendre, ce serait. Ah, moi je le pensais en titre du projet. Ah Du court métrage. Ah bah oui non moi je parlais du du court métrage depuis le début là. Attends, euh, bah vas-y on fera une fois qu'on l'aura écrit. C'est euh, trop le début. Oui oui mais c'est pour mettre un truc. Pour l'instant pendre un dessin avec un tournevis ça dit nos mots-clés. Et on trouvera un titre. Ça pour toi c'est le rappeler. projet. Ouais pour moi c'est le projet. Ok. Comme ça, tu rappelles les trois mots-clés, les contraintes et tout. C'est, j'avoue, c'est un peu long, mais bon, c'est... Ah ben, pour mettre pendre, essaim et tournevis, je pense que tu peux pas faire plus court, tu vois. Oui, d'accord, mais ok, mais c'est toi qui as inventé le fait qu'il faut qu'il y ait les mots-clés, les contraintes dans le projet, quoi. Ouais, je trouve ça pas mal. Bon, c'est vrai, c'est pas obligé, mmh. mais je trouve ça pas mal. C'est vrai qu'on les avait pas en tête On a tendance à les oublier. Pendant un récent avec un tour de Régis, je ne l'avais pas lu. Ah non, mais c'est le festival. Les régins de la vis. Visser un Régis dans les seins. Mais... Les seins de Régis. <laughs> Ça, c'est pas mal. Je le mets en titre pour l'instant. On, dit... On dit c'est un peu beauf mais c'est pas mal hein, les l'essence de régisseur. Ouais c'est un peu beauf mais... Par contre c'est pas transphobe et ça c'est bien. Le tournevis de l'essin. <laughs> qui Ça va finir en film de boule. Bah il y aura peut-être une version film de boule ouais. Tous nos courts-métrages, il y a une version film de boule euh, deep. Inaccessible. C'est vrai que maintenant, j'y pense à la plupart des trucs que j'ai tournés. Oui, toi, mais ça, c'est ta filmographie propre. C'est une filmographie où, dans laquelle je ne veux pas être cité, par exemple. C'était avec d'autres réalisateurs. Le tourne -saint de Régis. <laughs> Le tourne -saint, je trouve ça très drôle comme mot. Je ça fait dessin. un peu penser à Tirelet, tu vois mais c'est tourne 5 <laughs> Je tape juste euh, dans Google pour être sûr qu'il n'existe pas déjà ça me ferait beaucoup trop rire. Si tu dis que ça va finir en, en film en film de boule c'est parce que tu veux un rôle c'est ça <laughs> De qui Moi <laughs> non, Mathilde. Ah, Mathilde, elle a dit l'idée du. Non, mais euh, je pense qu'elle disait ça parce que Régis, c'est une boule, non Je pense que c'est à cause de les seins. Les seins de Régis. Ironique, ironique. <laughs> euh... Mais le tourne saint n'existe pas déjà, donc moi j'aime bien. J'aime bien. <laughs> tourne saint titre euh, tourne ça sort du beurre ma bonne dame ah, c'est ignoble j'ai même pas envie de j'ai mal en fait euh, une boule et deux essaims donc euh, oui alors moi, on, on, a, on a fait ça, mais moi de base je voulais vous relire ce qu'on avait noté. Donc allons-y. Parce que s'est perdu dans des trucs. Euh, donc le projet prendre un essaim avec un tournevis. Non, pendre, pardon, un essaim avec un tournevis. L'essaim de Régis, bon, euh, titre provisoire. Les contraintes SF psychologiques. Essaim, pendre, tournevis. Train de bonus, on a Mathilde Ounette avec un personnage enfant. Et Earth75 qui nous a mis Régis. On va créditer Earth75. 75, Régis. Oh, merde. Ok. Euh, le pitch... Comment ça s'écrit, pitch comme ça quand même si euh, ouais oui moi j'aurais écrit comme ça ah oui soldat payé excusez moi oui effectivement C'est important de tenir les, les comptes à jour hop brainstorming donc c'est comme le dessert ok enfin comme le oui la viennoiserie quoi ok euh... Donc brainstorming, ce que ça a donné, mes amis. Huit clos. Bon bah ça de toute façon ça va aller de soi. Hein. On n'a pas d'amis. Euh... Amitié, moi je voulais un peu une thématique autour de l'amitié qui se crée ou qui est détruite ou qui est ou qui est attachante. Enfin voilà. Trouver une raison d'un robot. Euh... Bah, franchement, euh, un truc sur l'amitié avec Régis c'est bien. Oui oui. Oui j'avoue. Un truc sur le stade de la destruction de la société, les conséquences du fait de sortir, euh, le fait que euh, les nanorobots ne sont pas juste en mode tu sors, tu meurs, qui est un côté, euh, ils te transforment, donc il y avait le sujet de transformer en enfant, euh, il y avait quoi d'autre Ils lavent les cerveaux, ce genre de choses. Moi, je voulais un truc au niveau du deuxième visionnage. J'ai donné que des trucs qui sont pas des, des trucs narratifs. Enfin, J'ai donné que des trucs qui sont pas de l'histoire pure, mais juste des trucs de... Genre huis clos, de deuxième visionnage. Donc bon, bah, t'as as capté. Euh, les robots ne doivent pas juste être une excuse pour rester enfermés. Moi, je trouve ça bien quand même. Les robots lavent les Ça, Quasiment tout ce... tout ce que tu donnes comme idée, c'est que des contraintes. Limite. Oui, enfin, c'est des sortes de contraintes. Ah ouais. mais mais plutôt pas des, des idées souhaits qui font avancer le truc c'est des idées à trouver tu vois ah oui c'est des idées à trouver de fou huit ça t'enlève une contrainte quand même huit clos j'aurais dû ouais. j'aurais pu mettre péplum hein. <laughs> <laughs> un ja... péplum SF <laughs> donc on est d'accord que c'était pas une contrainte ça Huis clos non ça va <laughs> Deuxième visionnage, je pense qu'il y a moyen, surtout avec les, le fusil de Chekhov avec des petits indices, des petits trucs. Euh, L'accident de laisser les robots rentrer, ça c'est pas mal. Le côté insupportable d'être enfermé, ça c'est le côté peut-être psycho. L'enfant joue avec le tournevis et perce le calfeutrage, bon bah c'est le côté de truc de laisser les robots rentrer. Fusil de Chekhov ça c'est une vraie contrainte, par contre. Euh, on a besoin d'un marteau, mais avec des tournevis et des clous, ça de toute façon ça va être, être le, le ressort comique. On prend l'enfant pour enfoncer le clou, ça c'est euh, le truc très interdit. Mec relou qui vient faire un cours sur les outils, ça moi je trouve ça pas mal. Prise de tête sur le maniement du tournevis, ouais, ça, ça pourrait déraper quoi. Le gamin tient le tournevis comme un poignard et ensuite le robot le corrige pour qu'il démonte bien les vis et il ouvre la plaque d'aération qui permet au robot de rentrer. Très très chouette. Le gamin fait rentrer les seins de nanorobo grâce au tournevis et on le prend pour le punir et on le pend pardon pour le punir. À chaque fois je dis prends putain. S'il y avait vrai pendaison faire un truc original ça c'est mes petites contraintes. Mais la POV je trouve ça stylé. Ça donne ouais, un vrai ouais. truc tu vois qui va révolutionner le cinéma. Euh, truc comique avec un fond horrible je pense c'est pas mal. Surtout que ça te libère le côté jeu d'acteur qui va être euh, bof. Régis en mode cheval de Troie avec les seins dedans. Ouais. Zoom sur les seins de robot, ça je vois déjà le plan bien kitsch, c'est stylé. Régis qui, régis qui regarde par la fenêtre, le monde s'écrouler ça ça va être épique, hein, j'ai déjà le plan en tête, c'est nickel. Forêt avec que des régis, ça c'est on verra. C'est régis qui a le tournevis, bon ça c'est cool aussi. Euh... On sauve Régis de l'essaim d'un robot, ça, ça peut être un peu des côtés flashback ou des, ça, ça peut être pas mal. Oh, tu veux un Easter egg sur la pendaison On ouais. voit la pendaison que dans le reflet des lunettes de Régis. Ok. Ça, je suis sûr que ça n'a jamais été fait au cinéma. Alors. Dans un reflet spécifiquement des lunettes de Régis, oui. Je te <laughs> confirme que ça n'a pas été fait au ciné. Et dans un Premier, reflet... point, point... Premier point point of view. <laughs> euh, on, on voit l'appartement qui descend et qui tombe pile poil sur Régis ce qui rentre dans le cadre. Deux, deuxième plan contre-champ. Euh, contre euh, Régis en gros plan avec le pendu dans les lunettes de Régis. Alors oui, alors attends, oui et je suis en train de noter le truc de Earth 75, comme quoi c'est Régis qui a le tournevis et qui aide secrètement les robots et ça tu le découvrais <laughs> dans la POV du mec qui se pend. Le twist final. Ouais, et puis, ouais, parce que l'instant juste après, là, pendant que Régis est un gros plan, il fait juste. Hé, hé, hé. Voilà. Et t'as laissé un nanorobot qui écrit Régis dans le ciel. <laughs> Et on ferait des, des espèces de, de bêtisiers. Ou genre, ils écrivent Régis, mais mal. <laughs> les non-bêtisiers, le, le les à bêtisiers de FX. C'est-à-dire que ça ça peut pas être du bêtisier, tu vois. Alors, on a mal commandé notre essaim de nanorobot. Ah ouais, bah. Après, le court-métrage qu'on fait après. C'est un documentaire là. Euh... Tu sais, les faux documentaires où c'est le making of, où c'est Régis le euh, réalisateur, Oui il euh, J'ai eu des problèmes pour connaître <laughs> les. On lui fait une vieille voix en anglais. <rire> <rire> Faut que ce soit une voix en anglais doublée en français. Par-dessus la voix, tu sais. <laughs> oui. oui, exactement. Régis réalisateur qui fait le making of. Ça c'est pendant les crédits en fait et Régis est anglophone euh... doublé en français mais en fait tu doubles par-dessus euh... <laughs> parce que tu sais sinon c'est par accord au niveau des lèvres <laughs> C'est pour ça que tu doubles au-dessus au des gens quand, ils... quand tu <laughs> oui, doubles à l'arrache. Pensez déjà au bêtisier tellement tout est un bêtisier. Mais c'est pas vrai. pas vrai. Regarde, ça fait deux heures de live et on a, on a fait 30 secondes sur le bêtisier. Donc tu, tu, tu dis des trucs euh, fake news. Hein. <laughs> comme dans les interviews jetées, c'est ça, c'est ça. Mais euh, j'aime bien le côté crédit et Régis il fait Making Off, là, ça me fait mourir de rire déjà. <laughs> C'est dur de bien le doubler. Ouais, ouais. faudrait trouver un mec un peu dans le doublage. <laughs> ouais, je pense. Je pense pour qu'on apporte du crédit au personnage de Régis, il faut vraiment que ce soit très bien doublé. Tu vois. Sinon, on risque de pas prendre au sérieux et de... <laughs> ne pas comprendre la profondeur de, du personnage. Et il t'expliquerait comment il a joué le personnage, tu sais. Et les intentions qu'il a mises dans le personnage, surtout que ça serait un personnage qui parlerait pas. Et que du coup, il fallait tout faire avec les expressions, tu sais. Tu le verrais éclater à un mégaphone au sol. Il n'est pas content des fois et tout parce qu'il serait hyper exigeant. Et lui, tu vois, on fait vraiment un film drôle. Mais Régis, lui, il voit son film comme un film ultra drama dramatique et tout. <laughs> oui, j'ai euh, écrit un court métrage où euh, je jouais le personnage, euh, je jouais un personnage traumatisé par les horreurs de l'apocalypse. <laughs> Euh, comment il fait pour tenir le tournevis bah, il est planté dans. le manche est planté dans régis Oui mais c'était dans le cas où il aiderait les nanorobots Ah ouais ah non mais oui, Earth, je pense qu'il disait ça pour le bêtiser. Il non. Comment il a fait pour tenir le tournevis Non, il disait ça par rapport au fait que tu vois que régis aide les nanorobots avec le tournevis du coup, il répond juste oui comme ça, on sait pas à qui il répond oui. Oui, bêtisier Mais ouais. pourquoi bêtisier Mais bêtisier, faut, faut qu'il tienne autre chose que le tournevis. Mais non, il raconte comment c'était dur de tenir le tournevis parce que c'est il y a que ça qu'il fait dans le court-métrage. Bah non, mais parce qu'il réalise ça aussi. C'est comment cet acteur a régis. Oui, c'est vrai, il réalise mais en tant en tant qu'acteur. Ah, en tant qu'acteur, oui. <laughs> Je pense que ça, tu vois, le tournevis comment il le tient, faut on va y réfléchir, mais c'est clair et net que plus tard ce sera réfléchi, mieux ce sera. J'en suis convaincu. Ouais grave. Bah, il faut l'avoir, il faut voir le tournevis, c'est tout. Euh, J'en suis absolument convaincu que ça n'est qu'un bout de fil de fer ou du scotch. Il faut insérer le manche dans son orifice. Tu veux te faire ban? Dégueulasse. Euh... Après Danny et Raz se sont jamais fait ban pour ça. Hein. <laughs> Alors qu'eux, ils précisent même quel orifice. Et ce n'est oui, pas nécessairement bon. celui auquel vous pensez. C'est Régis euh... bah, ça dépend de quel bout, le manche ou l'autre bout. Et je te dirais de quel ça, orifice tu parles. Bah, justement, le débat, c'est est-ce qu'on le fait par le manche ou par l'autre bout. Oh. Horrible. Euh, donc voilà, donc c'était parfait et euh, et franchement il y a moyen de faire un truc hein. Donc je vais noter juste euh, des trucs à faire, mais juste pour le prochain live hein, de toute façon parce que ça, ça nous viendra à force. Mais ce que je ce que je note là maintenant il serait top. Du... Il faudrait sauver Régis du système capitaliste. Il est pour l'instant enfermé dans un magasin. C'est vrai. S'il n'a pas été euh, déjà anéanti par le capitalisme, forcé à travailler jour et nuit, euh... à la pluie comme au beau temps. D'ailleurs, Régis, il avait un manche. Hein. Il avait un bras, tu te rappelles <laughs> Ouais, je crois. Ouais. Grosos, oui, oui, là, oui. En bambou. oui. Oui, oui. C'est vrai. Euh, alors, prochaine fois, je pense que ce serait pas mal euh, d'avoir en gros dégrossi l'histoire. Enfin, de. Et la prochaine fois, tu vois. Genre trier le Bresto ouais. Dégrossir l'histoire La prochaine fois on fait genre la trame Et après on réfléchit euh... Dégrossir l'histoire Faire les euh, chapitres en gros Et euh, je sais pas comment dire autrement Mais c'est en gros un peu les grosses actions ouais. Ah ouais ouais Faire la ouais, ouais. Après on réfléchira plan par plan On voilà. ce qu'on veut Après mais, il y aura vraiment là, On euh... essaye de se mettre d'accord sur. Après il chose. y aura le plan par plan ouais. Parce qu'effectivement il faut trouver le truc. Euh... Bon, on a tout en vrai hein, en, en termes de. On, re... Je... on respecte bien les contraintes. Il y a le côté ah, psychologique vraiment, qui sera à avoir. Mais voilà. On a le côté SF. Oui, dans tous les cas, voilà, ça on s'en fout. Les vraies contraintes, c'est s tournevis, Régis et un personnage enfant. Qu'à voir comment on intègre. Ouais. Comme on n'a pas la trame, on sait pas trop encore. Oui. Mais pour l'instant, je veux dire, dans le brainstorming, ça a été, euh, moi je ne trouve euh, bien respecté le truc. On va garder un peu ce qui est. Enfin, euh, quelle place on fait à quoi en fait. Mais ça, ça va faire partie de ouais, la ouais. trame. Ouais, bah ouais, exactement. Ok. Bon bah écoute. Je m'imagine déjà là. Hein. Voilà, hein. Et bah, on et a bien fait et... en tout cas. Je... Moi je me dis peut-être que ce serait pas mal. Euh... Je vais essayer de prendre le temps de faire ça. De faire. Là il y a deux heures et quelques. De faire un. De cuter les passages pour faire euh, genre une minute d'une vidéo ultra cutée où j'explique ce qu'on veut faire et j'explique les deux, trois idées qu'on a balancées machin. Euh, que, que ça peut être une vidéo qu'on qu essaierait de faire plus tourner. Voir si concrètement il y a des gens qui sont intéressés par le projet vraiment en termes de... Euh... Ben de, ouais, de bah jouer, ouais, de, de, de réaliser, de faire de la technique, de faire des trucs, correr du matos, tu vois? Ouais ben bah, grave. Donc voilà, faut que je me motive à faire ça et qu'on fasse tourner quoi. Ça peut peut-être déjà teaser des gens qui n'ont pas envie de se tartiner deux heures de trucs. Ouais ben bah, grave. Qui aurait un régis ouais, le bon coin. Régis, <laughs> j'ai tapé ça. Attends, mes second. Le tournevis, euh, j'en ai. Alors, faudrait qu'on décide de quel. Euh... On pourrait se faire sponsoriser. Faudrait que le tournevis soit un placement de produit. On sort le roi Merlin. Je vais gratter 50 balles au, au roi Merlin pour qu'ils se sentent... <laughs> Ça serait trop drôle. Mm -hmm. serait trop drôle. Euh... On leur fait la sponsor du tournevis. En... en échange, ils nous offrent le, le régis. <laughs> ah mince, excuse-moi. heard euh... 75, tu t'es fait ban, je suis désolé. Enfin, t'as... Je sais pas si tu peux encore parler. Oui, non, c'était juste le lien, ça t'a pas ban, ok. Oui, je, je prends pas les liens. Mais tu peux me les mettre en, en chuchotement. Tu les mettre sur, le... sur les messages privés, donc... Il faudrait les mettre, faudrait grave les mettre sur le Discord. Oui, oui, bah, quand j'aurais fait le Discord, Discord, mais... Discord. oui. Euh... Et ouais, s'il y a une vidéo courte de 5-10 minutes qui explique le projet, et euh, puis oh. une petite vidéo euh, après... Euh... Pour Dire où on en est, ce serait plus facile à marketer. Bah, ouais, de ouf! Tu balances le lien. Euh... Putain, je retrouve exactement Régis, il est sur Google. Hein. Amazon, 14 balles, let's go. <laughs> Aïe aïe aïe. OK. Attention diamètre, oui, c'est ça qu'il faudra, faudra voir euh, le diamètre. Au, au moins 50 f... cm. Ah bah ouais, je pense qu'il faisait bien ça, ouais. Et il était plus gros que ça. Non. Mais euh... 50 cm Ouais, Oui, ouais, non, oh. peut-être 70 cm. Ouais, ouais peut-être. Il est bien charpenté, ouais. Effectivement, il faudra faire attention au diamètre. Pour bon, ça, ce sera après vraiment. Ah oui, 30 cm, 40, 60 cm. Oui, donc 50 balles le 60 cm. Mais claquer 50 balles là-dedans. Euh, non, on va prendre un 40 cm. Grâce à la magie du cinéma, on le fera passer pour 70 cm. Tranquille. Après, 50 balles, ça nous fait un acteur pas cher. Ouais, mais c'est un acteur que tu dois vachement manager quand même. Il suffit de vendre. Genre, tu dois le déplacer pour qu'il se positionne à des endroits, tu vois. On vend 5-6 entrées en salle et on l'a remboursé. Hein. 5-6 entrées en salle au calme. Oh, oui, les petits régis. Non, non, mais je pense que les petits régis, ce sera le, le gros régis, mais avec un trucage de cinéma. <laughs> Il faudra le rentabiliser au maximum. La vache allait. Vaut mieux retourner au bureau. Le truc, c'est que maintenant on sait qu'ils ont des caméras en fait. <laughs> on y va cagouler. <rire> <rire> cagouler, un voler un Régis. Et on a en fait un plan en mode Ocean on va aller sauver Régis et tout. Alors attention, il y a des caméras là, là et là. Le vrai sauvetage. <laughs> les les nanorobots arrivent, il faut sauver Régis, on fait un gros sauvetage, live action chez, chez le bureau à l'improviste. Et, et vos, vos, vos bureaux, ils ont des Régis ils Nous ne trouvent jamais. En fait, la technique, c'est de pas dîner chez eux avant. <laughs> ouais. Sinon, ils retrouvent ton nom, c'est vrai. <laughs> Sinon, ils ont un peu tes coordonnées oui. et tout. <laughs> on vous donne un faux nom sur la réserv oh. réservation. On réserve au nom de Rég <rire> Régis. Régis. <laughs> Régis. On, on dîne chez eux, on paye eux en liquide. Je pense qu'ils avaient eu quelqu'un avec la réservation et le numéro de téléphone. C'était surtout ça, c'est qu'il ne faut pas réserver chez eux. Et puis on leur, on leur achète le, en live le Régis, on leur achète 1000 balles. Choqué. 10%, on leur offre 10% de tous les bénéfices qu'on fait. Ah oh non, non non. Jamais je fais ce deal-là. <laughs> Jamais je fais ce deal-là, je vais, je vais me retrouver comme... Euh, comme Disney avec George Lucas. On le rend après, ouais. <laughs> on le garde parce qu'on veut, il faut, en fait, on veut faire un court-métrage. <laughs> Les zinzin. <laughs> Déjà c'était épique quand il allait le ramener là putain mais c'était vraiment épique. Hein. <laughs> c'était... Ouais, moi, moi je savais tout, pas le oui. mettre. C'était trop drôle. Et le fait qu'on l'a ramené et qui euh, qu dépassait de la fiesta par la fenêtre. C'était un bâton truc de dépassé, merde. Hein. Quand... Ouais, le bâton qui dépassait. C'est sûr qu'il y a un truc qui dépassait. Bah, pas quand on l'a ramené, mais quand on l'a... Euh, ah oui, quand, quand on, on a pris a, l'a pris la première fois. Okay, on s'est vraiment ça. barré avec, la... <laughs> avec le bâton qui dépassait de la fenêtre. J'avais zappé. Mais ouais, faut... c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de retravailler le son pour rendre le truc diffusable. Les mecs, il a Ah ouais. triste euh... ce qu'il y avait ouais il y avait trop de sons hein. <laughs> ah bah je veux bien que bah si t'es ok pour aller leur dire euh... dur, hein. alors euh, nous avons une excellente nouvelle Moi, je pour pense leur faire euh... un courrier <laughs> ou un truc comme ça pas <laughs> c'est pour quatre... comme une de tu leur fais une nette à de <laughs> là on y va tous en costard et tout. Ils disent c'est pour quatre personnes. On dit non, non, on est là pour vous annoncer une excellente nouvelle. Régis a été accepté dans notre casting. On, parle, on part avec lui là. Et on le prend et on s'en va. Danse avec les stars. <laughs> ah, Régis qui fait danse avec les stars. <laughs> Ça, Mais il le fait en fait, c'est un membre du jury. <laughs> membre du Mais il a été casté. <laughs> Parce qu'ils cassent les membres du jury. Euh, si on fait un truc, ils nous offriront peut-être. C'est le jury, bien, du... Le jury mais... du jury. Ce serait bien ouais, ça, comme, ça, ça comme euh, faire émission de télé-réalité. Faire ouais. une émission de télé-réalité où les gagnants sont le jury après. J jury, jury. L'élection du jury de l'année. Ah, ce serait... ça, ça ça fait penser à un. Ouais, ce serait un peu comme. Euh... Ça me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu vois, c'est c'est le, le truc du héros qui subit plein d'épreuves et qui se retrouve après pile poil en torsionnaire pour faire subir des épreuves à d'autres. Je sais pas, ça a un écho pour, en moi. C'est dans un film ou un truc. Bah, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Bah, j'arrive à en mettre aucun en fait. C'est pour ça que ça ça me frustre. Le mec qui se fait bisu puis il a... ben, genre, il y a le deuxième épisode de Black Mirror, il est un peu comme ça, là, le mec qui pédale. C'est une grosse victime, il va se plaindre, et puis ça devient euh, ouais, euh, l'outil du truc et tout. Ça s'appelle le collège. C'est un peu Utopia aussi. Avec euh... Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Avec le lapin blanc. Le lapin blanc, ouais. Oui, ben c'était un peu un truc dans cette ambiance-là que j'avais. Oh Oh, je veux trop faire un truc avec la photographie, euh, avec les couleurs d'Utopia. Si tu pouvais nous avoir le mec à la BO aussi, ce serait absolument magnifique. <laughs> ouais, j'avoue. Ah bah c'est vrai qu'il va y avoir un gros truc... Euh... Moi, je je, je vraiment le top ce y a un de pire. sur un truc... Sur vraiment une BO et, et un peu des mecs qui seraient chauds pour faire un truc... Techniquement un peu ok, quoi. Du, du, du bon amateurisme. Tu vois bah ouais, hein. Pas des gogoles, en fait, qui se filment à la con. Mais bon, on fera avec. Hein. Ouais. Moi, ah, je trouve qu'on arrivait trouver. déjà à faire des plans stylés. Donc, euh... on, peut des... on peut trouver des gens qui font de la musique. Hein. Franchement, on en connaît. Ah hein. oui, en plus. Ouais. Pareil. Hein. Je, vais relancer, euh... je vais relancer Anthony. Je vais relancer euh, Guillaume, mon pote. Comme ça, ils nous mettent toute leur musique. Mmh, mmh. Et s'il y en a qui nous inspirent et tout. C'est ouf. Même ouais, ben Manon peut-être qu'elle serait chaud pour nous faire euh, une Genre. musique ouais. Qui sait Franchement, faut essayer de la hype un peu là Ouais grave Peut-être hein. qu'elle peut, peut embarquer des gens de chez Netflix mm, Grave Je <laughs> pense <laughs> que bon, c'est pour ça Je vais faire la 1 minute 30 de résumé de ça Comme ça, ça va séduire un peu des Des mecs un peu, des vrais Alors, mecs sur ouais. elle... Netflix Elle peut peut-être nous ramener euh, l'équipe de Damien Chazelle <laughs> Il des logiciels de montage et de mastering. Très stylé. Très stylé. est-ce que tu sais pratiquer les logiciels de montage et de mastering, par exemple Parce que ça, c'est aussi une question. Moi aussi, j'ai des logiciels, mais ça fait un moment et j'ai pu trop faire. Bah nickel Sinon, euh, je demande à mes élèves en son, je leur dis... Euh... Vous pouvez gagner deux points sur votre moyenne en étant la musique sélectionnée. Non, par contre, Heart75, bah, pareil, mais moi, les... tu sais faire les chuchotements Twitch C'est les DM Twitch, en fait. Et par contre, ouais, peut-être qu'il y, des... y a des mecs chez tes élèves, Bon, peu... c'est un peu chelou comme truc, mais. <laughs> Ils sont hype quand même. Hein. Ouais, tu peux peut-être essayer mes anciens élèves euh, qui ont Ah, ouais, encore ouais, contact. Ouais, 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 encore mieux, hein. leur met deux points ré rétro rétroactivement Ouais. Euh, ok et justement la prochaine fois il faut vraiment que je bosse le discord pour qu'on puisse justement mettre des liens des trucs des refs des images et tout enfin, un peu la base euh, la base de données du bordel en fait et de grammes en échange Tire... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Merde, j'ai un mot sur la langue. Financement en fait. Tire la langue pour voir. Quoi T'as un mot sur la langue, tire la langue pour voir. Euh, ça le fait vraiment ah ouais. Non, je l'ai pas vu. Non mais c'était des premiers degrés mais ça aurait pu être une vraie technique pour euh, se souvenir du mot. Mais tu sais c'est le bah, mot pour dire, pour dire ça que aurait pu, ça aurait pu mais apparemment non. <laughs> par exemple, c'est le mot pour dire par exemple ben bah voilà euh, comment je finance cette vidéo ben bah, les sponsoriser. Comment je finance cette vidéo Bah en fait, j'ai eu des aides du CNC par exemple, c'est un, un truc par rapport à comment tu finances un truc une stratégie de finance ah ouais. ou c'est un... Bah c'est la ce production. Quoi. Ouais, non, c'est pas ça le mot que j'avais. Mais peu importe. Hein. Ouais. On bat un peu les stacks. On sort, ça peut être des mécènes, ça dépend quelle forme ça a. Ah. Bon, C'était stratégie financière que je voulais dire, mais dans un autre mot, quoi ok non mais je vois pas mmh. bon et eh ben écoute on va faire de beaux rêves là ouais allez. Ça demain. dessin et de, de pendaison super allez allez ok bon bah merci d'avoir suivi et puis merci à tous ceux qui ont participé dans le chat et même à ceux qui n'ont pas participé voilà ça fait plaisir et on se dit, euh, bah, on reconviendra d'une date, mais bon, probablement semaine pro. Ouais, voilà. Pour, euh, pour dégrossir l'histoire, trier un peu le brainstorming et, dans l'idéal, avoir un peu des chapitres de, ou des parties euh, en disant voilà, il se passe ça dans telle partie. Quoi. Voilà. Eh ben, euh, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Au revoir, au revoir. Pensez pour Régis, oui. RIP. Au revoir.